C'est un réel plaisir, chers téléspectateurs, de vous savoir en direct sur Chat24. Vous pouvez nous suivre via les réseaux sociaux et notamment Facebook, spécifiquement Facebook. Nous allons a priori, a fortiori, nous élargir YouTube, etc. Mais pour l'instant, vous tapez Chat24 sur Facebook et vous nous suivrez en direct. C'est devenu indispensable et important. C'est pour cela que l'émission polémique également, nous allons parler des réseaux sociaux avec nos invités. Ils sont là depuis un certain temps. Chacun aura son mot à dire, sauf notre consultant permanent qui, après quelques présentations, va céder sa place à Moussa Kash qui fait dans les relations, on va dire, au niveau international. Il a fréquenté et écumé les bancs des universités du côté du Sénégal. Vous êtes sur Polemos. Nous sommes en direct sur Chat24. Que vous pouvez également suivre via les bouquets Ilnet. Votre fidélité nous honore. Vous pouvez aussi, chers téléspectateurs, nous appeler en direct. Les numéros défilent en haut de votre écran. Merci, Marie, merci beaucoup. Quand je veux saturer Marie, vous savez, il y a trop de pression et on va s'en sortir. Nous remercions également tous les musulmans dont le jeûne de ce mois béni est en train d'aller pratiquement vers sa fin. Ça sera dans le confinement, ça sera, n'est-ce pas, dans le couvre-feu. On va pratiquement, a fortiori, a priori, prier à la maison. Bon, ça c'est encore d'autres débats, en espérant que tout le monde a pu maîtriser les spécificités de cette prière-là à la maison. Restons dans le cadre de l'émission Polemos. Je salue de suite Issa Hissène Alkali. J'espère que j'ai bien prononcé. Président PPL. Salam alaikum, bonjour. Bonjour monsieur. C'est quoi PPL? Parti populaire pour la liberté. Et où en est-on en termes d'éléments d'adhésion? Oui, en termes d'éléments d'adhésion, et puis si le parti est né en 2014, a vu son futur sur l'opposition. Après un certain temps, à la veille des élections de 10 mai 2015, on s'est rallié à la majorité présidentielle. Et depuis 2014, Issa Hissène Alkali est président? Oui, il était président parce que raison pour laquelle on n'a pas encore pu organiser un congrès. Vous êtes président parce que vous l'avez fondé ou vous êtes président parce que vous vous imposez à la tête? Non, non, il n'y a pas d'alternance dans votre parti? Non, il y a une alternance, il y a un parti qui vient de naître parce qu'on n'a pas, on est sur le premier mandat parce qu'on n'a pas encore pu organiser un congrès. Ouais. Fait-il nécessaire de présenter notre ami, écrivain, consultant, il est également membre de la société civile, quelqu'un d'assez visible sur ce plateau qui aujourd'hui va, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, après la présentation en gros de la Fondation Grand Cœur, la Fondation Grand Cœur qui sur les réseaux, ça va dans tous les sens, il y a même certains adjectifs dont je ne souhaiterais pas, peut-être c'est le jeûne du carême qui ne me permet pas de le prononcer ici. Vraiment, quand vous suivez depuis 3 semaines, 1 mois, ce qu'on dit, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Donc, les objectifs, le but de la Fondation Grand Cœur, etc. Nous avons également eu l'interview de la secrétaire générale qui va essayer de vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette fondation, qui d'ailleurs, fondation, existe dans plusieurs pays à travers le monde, au Tchad, en Afrique, en Europe et... Pourquoi donc cette fondation-là semble focalisée, malgré les réalisations ou combien Alors, aujourd'hui, dans au menu, sur 424, c'est la fondation Grand Djida Mahamat Adoum, enseignant-chercheur. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Merci de nous honorer de ta présence. Je dis quoi? De votre présence ou de ta présence, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois respecter les mesures barrières. Je dis quoi? Ta ou vous? Le français est compliqué, hein? Dans tous les cas, je suis déjà là. Il est là. La deuxième fois. Il est là, c'est l'essentiel. Moussa Mahamat Madi, président Dynamique Citoyen, membre de la société civile. Vous vous êtes battu, on n'est pas au quartier. Il me fait bonsoir. Il faut dire bonsoir au micro pour que les téléspectateurs puissent nous entendre. Merci bonsoir, quand même, Moussa, bonsoir, tout de même. Ce n'est pas un grand de ton acabit que je vais encore me permettre. Alors, Moussa Kash sera là d'un instant à l'autre. Le temps de laisser Amat Haroun Larry de présenter un tout petit peu la Fondation Grand Cœur. Amat, bon après-midi une fois de plus. C'est quoi la Fondation Grand Cœur? Ça a été créé en quelle année, etc. C'est quoi la Fondation Grand Cœur? Merci. Dommage que je vais partir parce que... Qui sait? Peut-être tu vas revenir. Allons-y. La Fondation Grand Cœur. La Fondation Grand Cœur, c'est une organisation de la société civile comme toute autre organisation. Oui. Elle est créée par la Première Dame. Après avoir acquis plusieurs années d'expérience lorsqu'elle était présidente d'OPTAS,
organisation de première fois. Ça a été créé temps. En quelle année, la fondation? En 2017. 2017. Le 11 janvier 2017. Mmh. Maintenant, c'est 3 ans. Donc, la fondation Grand Cœur, depuis qu'elle est créée, son but, c'est social. Mmh. Comme la première dame a eu un peu cette expérience de 4 ans, mmh. a dirigé l'OFDAS, mmh. elle a sillonné le monde, son expérience a été sollicitée à travers le monde, et comme elle a développé l'organisation des premières dames pour la lutte contre le sida. Tout à fait. Et donc, après, ils ont avec changé. D'autres premières dames d'Afrique. Les mmh. autres premières dames d'Afrique. Mmh. Et même l'Organisation mondiale de la santé, après, ils ont commencé à prendre leur expertise. Et c'est grâce à la première dame, Hinda de Witno, que l'OPDAS est connue à travers l'Afrique. Et après ça, elles ont dit, bon, comme on a réussi avec l'OPDAS, il faut changer le nom pour OPDAS. Au lieu d'organisation des premières dames pour la lutte contre le sida, elles ont dit non, organisation de première dame pour le développement de l'Afrique. C'est pourquoi elles sont dotées d'autres structures et d'autres prérogatives pour développer l'Afrique. C'est pourquoi la première dame, mmh. une fois qu'elle a fini son mandat en 2015, mmh. elle était rentrée avec le soutien et le conseil de certains avec amis. Avec tout ce qu'elle avait comme carnet d'adresse. Comme carnet d'adresse, elle a dit pourquoi pas aider ma population. Mmh. Comme le président est toujours occupé, la première dame a été. Parce qu'avant 2017, il faut bien comprendre, la première dame du Tchad a été l'une des premières dames qui était plus respectée et aimée en Afrique. Mmh. Donc, le peuple croyait en elle. Elle a même gagné elle a le gagné prix, beaucoup de prix. Au niveau d'Afrique Média, où elle a voilà. été sollicitée par les téléspectateurs voilà. comme étant. Et donc, c'est pourquoi, dans certains voyages, on me dit que vous avez une première dame dynamique, exactement. Citoyenne, mmh. et qui est toujours impliquée. Et c'est grâce à la première dame, Hinda de Witno, que vous avez vu l'évolution des femmes au Tchad. Parce qu'avant, il y a eu 2-3 femmes seulement gouverneurs, préfets. Mais grâce à la première dame, elle a osé de tout son poids. Et avec le soutien qu'elle a donné à son mari et au parti au pouvoir, donc on l'a pu aider les femmes à s'émanciper et à revendiquer. Et si vous constatez, de 2011 jusqu'à nos jours, il y a eu des multitudes d'organisations de femmes et les femmes commencent à croire en elles. Mmh. Donc elle a osé pour ça. Et maintenant aussi, avec l'éducation des jeunes filles, avec la lutte contre l'excision et autres, donc cette fondation a commencé à œuvrer. Donc dès qu'elle a créé en 2017, elle a commencé avec le social. Parce que si vous constatez, depuis 2014, avec les chutes des barils de pétrole, avec les crises qu'on a connues, les ministères sectoriels qui sont les ministères de l'action sociale, ministères d'éducation et de santé et de la jeunesse n'ont pas les moyens de l'État parce que l'État, les caisses de l'État sont vides. Et c'est grâce à l'adresse que la première dame a acquis à travers l'OPTAS, elle a commencé avec les amis, les partenaires à l'international ou avec les entreprises locales qui contribuent. Le temps que la réalisation, chapeautée par Marie, nous prépare notre premier élément concernant Luc Michel depuis la Belgique, qui souhaiterait, n'est-ce pas, passer son bonjour aux téléspectateurs de Tchad 24. Avec les partenaires internationaux et les organisations, les entreprises locales qui contribuent au bien-être social. Mm. Donc, la Fondation Grand Cœur a usé de ses adresses pour subvenir aux besoins primaires et primordial des peuples tchadiens. C'est pourquoi elle est dans l'humanitaire, dans le côté sanitaire, social et partout. Et ces derniers temps, lorsque je finis par là, ces derniers temps, lorsqu'elle a commencé avec la crise de Covid, la Fondation Grand Cœur, comme elle a eu non seulement cette assise à travers l'Afrique et à travers le monde, avec le carnet d'adresse de la première dame et l'expérience de ses membres, parce que la majorité des membres de la Fondation Grand Cœur sont des hauts cadres du pays, actuel ou avant. Donc c'est eux qui se retrouvent avec eux aussi, avec les réseaux qui sont étendus sur toute l'étendue du territoire national. Et même à l'extérieur. Et même à l'extérieur. C'est pourquoi des petites organisations, des personnes comme nous, qui sollicitaient aussi leur part de gâteau pour avoir un peu de considération à côté de cellules qu'on n'a pas eu. C'est pourquoi les gens ont commencé sur les réseaux sociaux et partout qu'on commence à attaquer. Et certains partis politiques qui n'ont pas pu avoir des femmes qui peuvent le soutenir dans les échéances à venir, ils ont commencé à attaquer, pour ne pas attaquer le chef de l'État, directement attaquer la première dame, qui n'est autre que l'épouse du chef de l'État, qui sont jaloux que leurs femmes n'ont pas fini. Ils ont dit clairement à l'hémicycle que non, ce qu'elle est en train de faire, c'est préparer les prochaines échéances. Et c'est d'où nous avons justement positionné dans le cadre de l'émission pour les mots, chers téléspectateurs, en attendant que Haroun Larry puisse céder sa place, n'est-ce pas, à Moussa Kach, avec cet élément de Luc Michel depuis la Belgique. On ne comprend pas pourquoi il y a ces attaques, puisque on va dire que la Fondation Grand Cœur a prouvé depuis pratiquement 2017. On a même l'impression, moi qui connais ce pays depuis un peu plus de 20 ans, que cette fondation-là existe quasiment depuis longtemps. C'est mon avis. Les invités vont exactement nous dire, n'est-ce pas,
ce qu'ils en pensent de cette fondation-là, si la réalisation peut déjà nous passer l'élément, le bonjour de Luc Michel, et nous allons revenir pour rentrer dans le vif du sujet. Fondation Grand Cœur, les attaques, n'est-ce pas, sur ces réseaux, notamment Facebook, hein, et même ailleurs. Ça commence à être vraiment récurrent depuis pratiquement 3, 4 et 5 semaines. Luc Michel, et on revient sur ce plateau. À tout de suite. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de faire cette première émission sur la télévision Tchad 24. Je salue l'équipe technique, les réalisateurs. Je salue bien entendu mon collègue et mon vieux complice d'Afrique Média, Moubarak. C'est un plaisir de le retrouver sur votre plateau. Je salue aussi les téléspectateurs tchadiens. J'ai beaucoup d'affection pour le Tchad. J'ai longuement séjourné à plusieurs reprises au cours des dernières années chez vous. J'ai bien entendu une action de soutien à votre courageux président Idriss Déby Itno, qui est un des leaders du néo-panafricanisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Tchad, c'est un pays important géopolitiquement, parce que c'est le Tchad d'Idriss Déby Itno qui en a fait une grande puissance régionale. Le rôle géopolitique qui était jadis celui de la Jamaïque de Kadhafi, lorsqu'elle a été détruite en 2011, il est naturellement passé au Tchad d'Idriss Déby Itno. C'est le Tchad qui est le leader de la lutte antiterroriste dans le Sahel, notamment sur les rives du lac Tchad. Et bien entendu, cela donne une dimension supplémentaire en Afrique de l'Ouest, en Afrique sahélienne, jusqu'aux frontières de la Méditerranée à Tripoli, mais aussi dans le golfe de Guinée, à ce Tchad que nous aimons tous, à ce Tchad que les patriotes tchadiens apprécie, à ce Tchad que tous ceux qui aiment une Afrique grande et libre, de la Méditerranée jusqu'au Cap, soutiennent avec Idriss Déby Itno. Luc Michel, depuis la Belgique, nous parle d'un président dont il croit. Quand on croit à un président, on doit croire, n'est-ce pas, à sa femme et à sa fondation, la fondation Grand Cœur. Mais on a l'impression... Moussa Kach, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, n'est-ce pas, sur notre plateau. Ici, c'est Tchad 24. L'émission, c'est Polemos. Je te prends comme ça au vif du sujet. Alors, juriste, connu et reconnu, relations internationales, actif sur les réseaux sociaux. Comment Moussa Kach se sent quand sur les réseaux sociaux, en fait, je ne connais pas ce que Moussa Kach en pense, on entend je dirais même des verbiages totalement abyssales sur la Fondation Grand Cœur. Merci beaucoup, M. Moubarak, de m'avoir donné la parole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment remercier Tchad 24 d'avoir invité pour discuter sur un sujet aussi d'actualité aujourd'hui sur la Fondation Grand Cœur. À mon avis, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Tchad, nous avons d'habitude de critiquer sur le bien fondé d'une mission et aussi sur la mauvaise d'une mission. Donc dans ces cas, vous avez aujourd'hui bon nombre de gens qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord dans les actions que la grande fondation Grand Cœur qui mène. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Tchadiens n'ont pas compris la différence entre une action qui est bien menée et sous la personne de la première dame. Faire la différence entre l'action le terrain sur le terrain et la personne que représente la première dame. Ouais. Il y a l'amalgame entre les deux. C'est pourquoi souvent, nous avons l'habitude de faire des discussions sur les bien fondés d'une chose. Aujourd'hui, la mission de la Fondation Grand Cœur sont connues de tous. Le problème, c'est que les gens, ceux qui n'ont pas compris, il faut aller au fond du village. Il faut aller demander aux Tchadiens lambda qu'est-ce que la Fondation Grand Cœur a mené. Quand il s'agit du social, quand il s'agit de l'éducation, quand il s'agit de la promotion, quand il s'agit de la promotion même de la jeunesse, tous ces éléments sont palpables et on regarde sur le terrain. Mais malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la malheur de la Fondation Grand Cœur, c'est qu'il est... Elle est pilotée par une dame, c'est la femme du président de la République. C'est qui arrase le plus souvent. Donc nous avons transformé cette politique
à cette polémique à une scène de politique politicienne. La plupart des gens qui n'ont pas eu les privilèges d'entrer même dans la Fondation Grand Cœur et d'autres qui n'ont pas eu les privilèges de venir pour voir la réalité. Et ce qui me fait mal, c'est que s'il y a une action bien connue sur le terrain et ignorée sciemment pour dire que cette action n'a pas mené des actions, je suis dire que c'est une grande absurde sur le plan politique. Djidam Mahamat Adoum, enseignant-chercheur, une fois de plus, merci de nous honorer de ta présence sur ce plateau de Polemos. Nous sommes en direct chez téléspectateurs de Tchad 24. Alors, ça te dit quelque chose, la Fondation Grand Cœur? C'est la première fois que tu l'entends? Merci pour cette parole donnée. Avant de me prononcer sur quoi que ce soit, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à l'endroit de l'animateur de cette émission que vous êtes, de m'avoir invité à ce plateau. Je voudrais également m'en vouloir, si jamais je ne dis un clin d'œil à mes panélistes qui sont là. Les copanélistes, tout à fait. Et alors, bonsoir. Et alors, déjà, pour me prononcer par rapport à ce débat qui a cours, je voudrais planter le débat en disant qu'en réalité, Yves Poincaré nous donne la définition suivante. Une fondation est une création par voie de dotation ou de legs d'un établissement d'intérêt public ou d'utilité publique. Il s'appelle Yves Poincaré. Justement. Il n'y a pas un Africain également qui a fait ce genre de... Ou attribution à une personne morale des fonds en vue de réaliser une œuvre d'investigation ou bien une œuvre d'intérêt général. Alors, par rapport à cette définition, je peux déjà prendre une position claire et nette. Puisque les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Tout à fait. Alors, au-delà de ce que Fondation Grand Cœur fait comme des folklore et que je qualifie de tapage. Et je voudrais juger la sincérité des actes de cette fondation. Alors, parce que, comme je l'ai dit, les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Vous voyez, c'est vrai. Cette fondation prétend exercer dans le domaine de la santé maternelle, dans le domaine de la vulgarisation de certaines informations ou bien autonomisation de la femme ou bien aide aux personnes vulnérables. Mais nous osons croire qu'en réalité, en tant qu'association, cette fondation va parfois un peu plus loin. Puisque nous avons, le citoyen lambda que nous sommes, nous avons de la peine à voir. Parce que parfois, il y a une confusion entre les actions politiques, n'est-ce pas, les attributions ou bien les prérogatives de l'État et la fondation. Donc il y a un imbriglio, on ne comprend pas. Un imbroglio. Justement, imbriglio, n'est-ce pas, où commencent les activités de la fondation, où commencent les domaines de la fondation, où commencent les objectifs de la fondation et où s'arrêtent ces objectifs. Donc il y a en quelque sorte, la fondation Grand Cœur est devenue en quelque sorte comme un véritable serpent de la mer. Un véritable serpent de la mer qui n'a ni commencement ni fin. Mais Djidam Mahamat Adoum, je ne lis jamais vos propos sur les réseaux sociaux. Justement, je suis un observateur, je suis un chercheur, je suis un ancien chercheur. Au-delà des commentaires cartésiens, au-delà des commentaires dans les coulisses, moi je dois, en tant que chercheur, prendre une position officielle. Nous allons revenir à Djidam Mahamat Adoum et poser la question de suite à Moussa Mahamat Madi, président dynamique. Dynamique citoyenne et membre de la société civile. La Fondation Grand Cœur pour vous, c'est quoi, Gentleman? Ça va dans le sens de notre enseignant-chercheur. Je ne sais pas s'il a déjà cherché et trouvé, mais bon, il a des propos qui poussent et bousculent un tout petit peu la porte, allant dans le sens le sens inverse. Depuis 2017, si j'étais panéliste comme vous, j'allais vous mettre en phase ce que la Fondation Grand Cœur a pu faire comme réalisation. C'est visible, c'est palpable. Moussa Mahamat Madi, je reformule ma question. C'est quoi pour vous la Fondation Grand Cœur? C'est bien, ce n'est pas bien, c'est mauvais, on doit l'insulter ainsi sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'on s'attaque à la Fondation Grand Cœur? Je ne saurais gré à l'instant l'opportunité qu'elle m'offre de pouvoir échanger avec les panélistes. À cet effet, je profite de l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude à cette chaîne citoyenne qui nous a donné cette opportunité. Je voudrais tout d'abord dire que nous sommes dans un contexte démocratique. Tout à fait. Et que les avis des uns et des autres
constitue la beauté de notre démocratie. Et n'engage que peut-être. Tout à fait. Tout à fait. Il arrive des fois, quand il s'agit de la gestion des choses publiques, chacun de nous porte le Tchad et c'est dans logique. Son cœur et donne son avis. Tout à fait. Et c'est logique que les gens interviennent. Et c'est un débat purement juridique et républicain. Je le dis juridique en ce sens que les actes, comment on pourrait qualifier juridiquement les actes de la première dame? De la ça, fondation de la, non, mais elle, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas caricaturer cette grande fondation. Excuse-moi, Mousse, je fais la différence entre la fondation Grand Cœur et la première dame. Mais cette fondation, moi, je l'ai dit, c'est comme toute autre fondation dans le monde. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt analyser dans des angles, comme je l'ai dit tantôt, dans un angle purement juridique, c'est-à-dire quel est le statut juridique de cette fondation. Est-ce que c'est reconnu? Ces actes sont reconnus ou non? Ça, c'est un... Reconnu dans quel sens? Je ne suis pas très bien. Non, je... reconnu dans l'assentiment populaire. Il faudrait qu'on présente l'assentiment populaire. Deuxièmement, il faut voir le concours. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille aussitôt se jeter dans les polémiques. Non. Et avant que celle qui a initié, qui a créé cette fondation, avant qu'elle soit première dame, elle est une Tchadienne. Ça, c'est un débat. Mmh. Elle est une Tchadienne et elle est une citoyenne. Elle peut aujourd'hui œuvrer inlassablement pour le bien social, pour le bien-être du peuple tchadien. Moi, je suis parfaitement d'accord. Mener un débat à sa personne, moi, je dis que c'est une aberration. Hinda, c'est une citoyenne tchadienne, avant qu'elle soit la première dame du Tchad. Deuxièmement, les actions qui ont été menées. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces actions qui ont été menées et l'action publique? Donc, c'est ce débat-là qui nous permettrait aujourd'hui à chaque Tchadien de pouvoir s'identifier ou non de ces actions. Maintenant, les aberrations de certaines personnes en panne des idées et en mal des personnes qui se trouvent autour d'un instrument virtuel, notamment Facebook, pour polémiquer, je laisse la paternité de ce qu'elle pense. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise les vérités. Je ne suis pas pour Hinda. Je sais que Hinda, c'est une citoyenne, peu importe qu'elle soit l'épouse du président de la République. La première dame de la... Mais j'aurais souhaité que toutes les actions qu'elle souhaiterait mener dans le cadre social soient des actions claires et qu'il y ait la transparence. Maintenant, nous n'allons pas mener un débat d'épicier. Aujourd'hui, quel que soit... qu'on soit des adversaires ou des ennemis, le respect existe entre nous. Tout à fait. Nous sommes tous des Tchadiens et que s'il faut traiter l'individu, il faut le traiter avec bienveillance. C'est juste bienveillance. Je ne saurais peut-être que c'est l'occasion pour moi de ne pas donner des leçons morales à ceux qui s'agitent sur les réseaux sociaux, mais quelque part, j'ai l'impression que ceux-là aussi sont des Tchadiens. Ils pensent que cette fondation est en train d'user de la prérogative de la puissance publique quelque part. Et je me retrouve dans un contexte les dialectique. Les réseaux sociaux, tels que fait Bouzou, Moussa Mahdi Mamad, est-ce que c'est opportun de porter sur cette... en fait, sur Facebook, reconnu mondialement, ce genre de débat où très souvent, ça frôle, comment dirais-je, les insultes frôlent le caniveau. Parce que certains vont même jusqu'à... Je suis désolé de le dire. Montre leurs limites intellectuelles sur leur publication. Oui, je vous comprends. Moi, j'ai dit, il y a un écrivain qui disait que la critique est facile, mais l'art est difficile. Mais nous sommes dans une république. Nous, j'estime que nous sommes tous des responsables et qu'il faille au moins remonter la pente. Certes, s'il y a des incohérences qui se trouvent ou des confusions autour des actions de Grand Cœur, moi, je crois que ce sont des Tchadiens, ils ont le droit d'exprimer leur ras-le-bol. Mais aller attaquer la personne de Mme Hinda, je pense que c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Je vais revenir à Moussa Mahmad Mahdi. Merci. Merci beaucoup pour la compréhension. Issa Hissène Al-Khalil, président du PPL, la Fondation Grand Cœur, les assimilations... qui frise le ridicule, moi je préfère le dire, sur les réseaux sociaux. Est-ce c'est sous-tendu et c'est justifié? Ok, merci à téléspectateurs du Tchad 24, merci à vous et à panélistes. Et puis prenez l'historique du fondation mondiale, pas celle des grands cœurs. Je suis allé sur Google, il existe plus de 10 000 fondations à travers le monde. Parce qu'on a la fondation
de Madame la Présidente de l'Université Bitno de la République du Tchad. On a la fondation de Première Dame de la République du Cameroun, de Paul Biya. On a celle de l'Égypte, on a celle du Sénégal. Et puis, étant des fondations comme les autres fondations. Mais les gens, comme vous venez de dire, pour aller insulter dans les réseaux sociaux, attaquer à la personnalité des personnes, c'est aberrant. C'est aberrant et je vois que ce n'est pas normal. Raison pour laquelle je dis que ce n'est pas normal, parce que insulter la personne, c'est-à-dire tu es à l'extérieur, prenez un cas, tu es en France, tu prends dans les réseaux sociaux d'insulter quelqu'un. Il y a des familles de tel monsieur qui est en Europe, ou en Asie, ou en autre. Il ne faut pas insulter la personne là où vous avez fixé. Et puis, le Grand Caire a fait des concours énormes sur la étendue du territoire national tchadien. Raison pour laquelle... Là, ce sont les œuvres palpables de la Fondation Grand Caire. C'est les œuvres palpables à travers le Kanem, à travers les provinces du Mongo, à travers les provinces d'Ati, d'Amtimane, de Wapeshe. 2017-2020, c'est moins de 3 ans, c'est ça? Moins de 3 ans. Oui, vous avez parlé tout à l'heure, un panéliste a parlé le 1er janvier 2017. Il y a à peu près 3 ans et 5 mois. À peu près. Et puis, deux œuvres palpables, et puis elle a fait ça. Et puis, il ne faut pas attaquer Hinda Debi Idno. Hinda Debi Idno était la fondatrice de ce Grand Caire. Elle ne pilote pas la Grand Caire. La Grand Caire est son organisation. Et on voit souvent s'il y a des communiqués, s'il y a des gens qui descendent des dons ou de l'Est à tout. L'autre, c'est Madame Habiba Saoulba qui est sur le terrain. Allons dans le sens d'Issa Hyssen. On va revenir à Issa Hyssen Al-Khalil en plantant le décor avec la secrétaire générale de cette fondation qui, ici, nous explique... et essaye de justifier avec ses arguments les tenants et les aboutissants, ce qui sous-tend et justifie la fondation Grand Caire par rapport à tout ce que nous pouvons voir ou lire sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Tchad 24, vous pouvez nous suivre sur le bouquet Ilnet et bien entendu via les réseaux sociaux Facebook. Si Marie est prête, c'est la réalisatrice, vous aurez l'élément. Et après, nous allons revenir sur le plateau et de suite passer la parole à Issa Hyssen Al-Khalil qui a eu la gentillesse de me permettre, n'est-ce pas, de profiter de ses propos pour vous passer la secrétaire générale. Et après, il va avoir la parole pour pouvoir boucler. A tout de suite. Il critique, on ne sait à quel sein nous vouer. Mais nous, au niveau de la Fondation, nous sommes déterminés. Nous n'allons pas nous laisser tirer vers le bas par des critiques stériles. J'avoue que je suis étonné parce que de par le monde, les ONG interviennent dans les vies publiques, soutiennent, appuient les institutions publiques, les actions publiques. Et la Fondation Grand Cœur ne déroge pas à cette règle. Elle ne fait qu'appuyer les actions publiques. Et pour moi, quand une ONG ou des ONG interviennent en partenariat avec les institutions de l'État, c'est plutôt une plus-value. Ça ne devrait pas déranger. Est-ce que ça dérange? Parce que c'est l'ONG de son Excellence Madame la Première Dame, ou bien c'est pour quelle raison? Dire quand même qu'on usurpe, c'est un peu trop dire, mais je pense que le partenariat qu'on a signé avec les départements ministériels, c'est pas fortuit, parce que ce sont nos axes d'intervention. Et nous voulons que nos actions soient encadrées par ces départements ministériels dans la mesure où notre appui, c'est au profit de leur département. Moi, je pense que aussi c'est un faux procès. Nous sommes en train, si il y a besoin d'utiliser les structures de l'État, c'est au profit de la population. Parce que nous avons un partenariat et c'est parce que on voudrait être bien suivi et sous la tutelle du ministère.
Autrement dit, si nous n'allons pas sous la tutelle du ministère, nous ne signons pas un partenariat, c'est le lieu de dire que nous sommes en train de vouloir usurper le rôle, les attributions du ministère. Mais dans la mesure où on a voulu signer un partenariat, c'est parce qu'on veut être réglo, c'est parce qu'on veut être encadré, c'est parce qu'on veut être sous la tutelle de l'État. Et donc moi je pense que il faudrait que les gens qui parlent sans apporter des solutions, qui ne font que critiquer et demander l'avis d'un bénéficiaire, il ne vous dira jamais ça. On a connu ce problème de coronavirus. On a tout de suite mis en marche notre batterie pour essayer d'apporter notre appui en ce moment précis à la population qui en a besoin. On a formé des secouristes et qui sont maintenant les personnels de la Croix-Rouge. Et donc, on leur a demandé de se mettre au service de la population pour la sensibilisation. Ça, c'est extrêmement important. On a envoyé un peu d'argent pour les masques, pour que nos centres de couture qu'on a mis dans toutes les provinces puissent essayer de mettre à disposition ces masques que les gens n'arrivent pas à trouver. Depuis nos sources de financement jusqu'à nos partenariats, tout est, il n'y a rien à cacher et nous allons le rendre public. D'ailleurs, pas seulement la convention avec la cellule d'éveil qui a fait couler tant d'encre. On va mettre à la disposition du public tous les partenariats, les conventions qu'on a signées avec les départements ministériels et si vous voulez même au besoin. Merci à la secrétaire générale de cette fondation, la fondation Grand Cœur, qui ici, n'est-ce pas, via nos amis de Tchad Info, nous donnait quelques éclairages concernant de la genèse hein, jusqu'à présent, la présence qui soutient et justifie les actions. J'allais beaucoup dire les actifs de la Fondation Grand Cœur, même si certains sur les réseaux sociaux frôlent et frisent très souvent, comme je le disais tantôt, le bas des caniveaux avec des propos dont le dire sur le plateau ne pourra pas. Nous remercions également ceux qui, via les réseaux sociaux, participent. Ils saluent Tchad 24, etc. Posez-nous des questions. Oui, c'est bien de nous encourager, notamment Sylvie, qui a des doutes hein, sur le bon fonctionnement. Je préfère les dire ainsi que de lire, parce que ça tape vraiment... Ça va trop loin. Je vais donc permettre à Issa Hissen Al-Khalil de terminer ses propos pour que nous puissions continuer le déroulé de l'émission. Oui, comme Madame la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Madame Habiba Saoul, vient d'éclaircir. Et puis, le Grand Cœur étant, comme on a dit tout à l'heure, étant comme les autres fondations du monde, que ce soit en France de Madame Chirac ou de l'autre... Il existait des fondations, on sait comment partout, ça fonctionne. De Madame Sissi mm-hmm. et celle d'Abiy Ahmed, de la République fédérale de l'Éthiopie. Et puis les gens, ils se comprennent un peu. Quel est le problème avec la Fondation Grand Cœur? Si, il y a des problèmes réels. À ce qui certain, ce qui m'intéresse, c'est sur l'intervention de Madame la secrétaire générale sur l'autre, la Convention. Parce que la convention, certaines populations tchadiennes s'en doutent toujours sur la convention entre la Grand Cœur et le ministère en charge. Maintenant, on va s'intéresser trop sur la COVID-19, la coronavirus, et la convention entre la Grand Cœur et le ministère de la Santé publique. Et ces conventions-là, est-ce qu'il est clair? Là où la population ou la citoyenne lambda pose ces questions, n'ont pas encore trouvé la réponse. Et la réponse est où? Je vois qu'au ministère de la Santé publique en charge ou celle de Madame la secrétaire générale Habiba Saloua va s'expliquer. Et puis, il faut qu'on soit clair et réaliste. La Fondation Grand Cœur a fait des œuvres, a fait de bonnes choses à la population tchadienne. On a suivi à la télé, comme vous, dans les provinces du Kanem, précisément dans les Mao,
Il y a des certains qui sont aveugles, ils ont des problèmes de cataractes. Il y a eu des milieux, ils ont eu la pas simplement dans cette dans province, cette zone, un peu partout. Et y compris les lacs, dans la province d'Ilac, et surtout dans les Bagassoula, dans les certains départements. Mais il faut qu'ils doivent remercier ces œuvres. Doivent se remercier. Merci à Issa Hissène Al-Khalil, il va revenir tout à l'heure. Je me tourne vers Dida Mahamat Adoum. Je commence peut-être à penser que c'est la frustration de plusieurs qui essayent peut-être déjà de trouver des boucs émissaires et continuent de toujours presser et articuler cette fondation. Parce que quand je regarde les œuvres, hein, c'est en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait tant de frustration par rapport à cette... On s'était réattaqué la première dame ou... Je voudrais vous faire comprendre qu'en réalité, il faut être très malhonnête pour ne pas reconnaître certains actes œuvrés dans le bon sens par cette fondation. Il faut être très malhonnête pour ne pas reconnaître. En tant qu'humain, nous sommes en train de le voir et nous attestons en quelque sorte. Dida Mahamat Adoum, le problème, c'est quoi? Le problème qui tarote l'esprit pour cracher les morceaux, hein, c'est la forte médiatisation ou bien la médiatisation exagérée même parfois de certaines activités, parce que la télé nationale est, pour le dire de certains citoyens, prise en otage par les activités de la fondation. Donc en longueur de la journée, les journalistes ne font que nous pomper par les images, en quelque pomper la population. Dans tous les cas, c'est ce qui s'est dit. C'est de l'information. Donc maintenant, les gens, c'est comme s'ils sont constipés par les informations données ça et là. Et quelquefois, les citoyens lambda se demandent, est-ce que la fondation est devenue tous les ministères ou bien a remplacé tous les ministères du Tchad? C'est surtout le ministère des Affaires sociales. J'entends cela aussi. L'action sociale et surtout la santé. Donc, à ce niveau, je pense que parfois, il faut donner raison aussi aux gens. Parce que pour certains qui sont peut-être au devant de la scène, ils n'arrivent pas à contrôler mieux leurs émotions, ils n'arrivent pas à contrôler certains de leurs actes et gestes. Ils exposent leur personne au lieu d'exposer les actes de la fondation. Vous voyez, sinon de façon globale, nous sommes des observateurs. Et on ne juge pas. Parce qu'il faut le dire, je ne suis pas la bouche la plus autorisée pour juger, mais je dois quand même observer en tant que citoyen. Tout à fait. Donc, tout à fait. Je voudrais chuter par là pour dire qu'en réalité, il y a parfois ce que je qualifie de détournement des objectifs, n'est-ce pas, de la fondation par certaines personnes qui sont, en étant dans la fondation, ils détournent les actions de la fondation et ils dénaturent les images. Donc la fondation... Par rapport à leur personne qu'au détriment de la fondation. Donc la fondation peut-être doit faire un travail de toilettage. De nettoyage. Pour pouvoir sauver ne serait-ce que son image. Sauver les meubles. Sauver les meubles. Voilà. Moussa Mahamat m'a dit, on va revenir à Moussa Kach. J'ai même déjà l'impression, je vois mon ami Ahmad Arounlari de l'autre côté en train de rebondir. Je crois qu'il a des choses à dire. Oui, Moussa Mahamat m'a dit. Oui, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on se voit la face. La fondation Grand Cœur exagère en termes de visibilité. Dire que renier toutes les actions dans le cadre social de cette grande fondation, c'est autant observer une hérésie. Et le bon sens voudrait, quelle que soit la qualité ou quelle que soit la quantité des gestes, il faudrait qu'il y ait au moins une reconnaissance. Nous sommes tous des Tchadiens. Et il est inéluctable de pouvoir nier les actions qui ont été menées. Moi, je pense qu'il y a un débat. Le débat que nous devrons mener, ce ne sont pas les actions qui ont été posées dans le social par cette grande fondation, mais se poser la question d'où provient ce financement. Et pour là, qu'il nous soit permis de pouvoir juste mener une analyse, allant dans ce sens. Parce que l'enseignant chef, Madame va loin. Non. On commence à comprendre. J'ai l'impression que l'ancien. D'après, c'est dit. L'ancien chercheur fait de mea culpa. Tout à fait. Ça, c'est de mea culpa. Oui. Mais moi, je l'ai dit, franchement, en tant que leader d'opinion, il se pose un problème. Le problème, c'est la personne de la première dame. Parce que cette critique serait été une autre personne, on n'aurait pas au moins autant formulé des critiques aussi acerbes. Tout à fait. Maintenant, c'est la personne
de Mme Hinda parce qu'elle est l'épouse du président de la République. D'aucuns ont des difficultés de pouvoir prendre pour cible le président de la République. Ils préfèrent en trouvant le raccourci. Et donc, elle, pour des questions de transparence dans une République, parce que nous sommes à la démocratique, et il faudrait qu'elle fasse comprendre à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, la traçabilité de ces financements. C'est ce que la secrétaire générale veut dire. La traçabilité de ces financements. Moussa, permettez-moi, pour chuter la traçabilité, non seulement la traçabilité, mais il ne faudrait pas qu'elle dénote les prérogatives révolues au département ministériel. Vous savez que l'éducation est une mission régalienne. Ça, il faut comprendre. Autant nécessaire. Moussa Mamad Madi. Donc aujourd'hui, Moussa Mamad Madi. Moussa Mamad Madi. Moi, j'ai la nette impression que certains ministères quasiment n'existent pas. Et que les actions de la fondation donnent plutôt du souffle à certains. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là. Vous permettez, moi je pense, vous savez, que dans les systèmes anglo-saxons, quelles que soient les missions révolues au département, il se trouve que des entités privées viennent au rescousse de ces entités publiques dans les systèmes anglo-saxons. Et ça a été toujours un partenariat de longue date dans les systèmes anglo-saxons. C'est même souvent des partenariats gagnant-gagnant. Chez nous aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de jeter avec des pierres la Fondation Grand Cœur. Mais aussi, vous savez qu'aujourd'hui, dans le cadre de gestion axée sur la transparence, qui est un système révolu aujourd'hui dans le pays francophone, aujourd'hui, le Tchadien lambda qui se trouve au fond a besoin de connaître les tenants et les aboutissants de cette action-là. Et aujourd'hui, les polémiques qui se trouvent autour des réseaux sociaux, pourquoi ces polémiques existent? Parce qu'il faut savoir le bien fondé de ces polémiques. Parce qu'il y a un problème de communication, mais il y a un problème de traçabilité. C'est juste là. Je ne comprends pas. Notre ami Dida Mahamad Adoun parle d'une communication qui déborde. Et Moussa Mahamad Madi dit qu'en tant que tel, on ne communique pas. Avant de revenir vers Issa Hissène Ali, on va poser la question à notre ami Moussa Kash, juriste au niveau relations internationales. De tout ce qu'on se dit sur le plateau, comment est-ce que Moussa Kash peut-être synthétiser cela? Bon, avant de rentrer dans le sujet, je voulais dire à mon chercheur, Dadima Mahamad Adoum, j'étais séduit par son perspicacité et son générosité d'avoir fait tant de choses. Et il a quand même fait ce qu'on appelle l'évolution du bilan de la Fondation Grand Cœur. Tout à fait. Quel que soit. Donc, nous sommes dans un pays démocratique. Et les critiques sont inhérentes à la démocratie. Moi, je ne suis pas de Fondation Grand Cœur. Moi, je ne suis pas du pouvoir. C'est ton choix, c'est ton ambition. Tu voudrais entrer dans la Fondation Grand Cœur? Moi, mon souci, c'est quoi? Oui. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas faire la marque. Non, je ne fais pas de l'amalgame. Je ne suis pas fait de l'amalgame. Je suis un observateur. Voilà. Je suis un observateur actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Je suis en train de voir l'évolution et la mentalité de la jeunesse tchadienne. D'où aille. Et ça, souvent. Attends, il faut laisser Moussa Kash poursuivre. Moussa Mamad Madi. Moussa Kash va poursuivre ses propos. Quelles que soient les critiques que nous menons, si ça soit positif, si ça soit négatif, c'est un bilan. Nous sommes en train de tracer le bilan de la Fondation Grand Cœur. Dans un bilan, il y a toujours de l'actif et de passif. Bien sûr. Il n'y a pas de la perfection dans un bilan. La perfection n'est pas de ce monde. De ce monde, tout à fait. Une fondation, c'est une organisation non gouvernementale qui milite en action sur le plan social, éducatif et humanitaire. Donc, dans ces cas, quels que soient les moyens, ma position était de dire que quant à l'organisation et le fonctionnement de la Fondation Grand Cœur, il y a des failles. Il faut reconnaître. Les failles par rapport aux ressources humaines? Par rapport aux ressources humaines, par rapport à la déviation du mission fixée, et aussi par rapport... Par le Grand Cœur. Par rapport à l'intervention de la mission dans certaines... Dida Mahamad Adoum parle de la méthodologie. C'est pas de la méthodologie, je reviens. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, M. Moubarak, vous êtes un observateur du média public. Nous rivalisons d'ardeur dans les mythes et les insultes, tout en oubliant fondamentalement les actions que
nos aînés, les grandes dames et les autres mènent sur le terrain, comme palpable et pratique. Mmh. Et quand nous discutons sur les réseaux sociaux, certains gens qui sont là, qui insultent, mais pas seulement sur l'organisation et le fonctionnement de la Fondation Grand Cœur, mais sur la personne de la Première Dame. La Première Dame mérite beaucoup plus de respect. Je ne le soutiens pas. Mmh. Je suis un observateur. Non, mais soyez humaniste bon, quand ça, même. Oui. Soyez humaniste sur l'œuvre de la Grande Cœur. Voilà, je crois que soyez humaniste. Là, non, pour dire tout simplement que grâce notre ami, des grâces, les citoyens tchadiens qui sont sur les réseaux sociaux, critiquer l'organisation et le fonctionnement de la Fondation Grand Cœur. Et ayant du respect à la Première Dame, comme tous les autres pays qui respectent leur crème. Merci Moussa Kash, qui de suite va laisser sa place à notre ami Amat Haroun Larry, qui va revenir sur le plateau. Moussa Kash va également revenir. De suite, je me tourne vers mon ami Moussa Mahamat Madi, président Dynamique Citoyenne. Oui. Alors, la Fondation Grand Cœur, c'est quoi? On jette le bébé avec l'eau du bain? Non, dire autant que j'étais l'enfant avec l'eau du bain. Oui. C'est autant manquer de l'humanisme. Mais pour moi, je voudrais juste la dire un mot. Moi, je dis que ce débat, nous pourrons inlassablement le mener dans un angle purement juridique. Ouais. Parce qu'il s'agit de l'abus de position. Aujourd'hui, si d'aucuns. L'abus de position de la Fondation Grand Cœur. Justement. C'est ça le débat. À mon sens, l'abus de position s'est défini à travers. Moussa Mahamat m'a dit vous permettez, la nature aura du vide. Tout à fait. Peut-être la Fondation Grand Cœur. Je suis parfaitement d'accord du fait que la nature a l'horreur du vide. Non, sa vision. Oui, non, j'ai dit, je suis parfaitement d'accord. Vous savez pertinemment que nos ministères, à un moment donné, n'étaient pas si actifs. Et qu'aujourd'hui, si cette fondation venait à leur rescousse, moi, je pense que c'est un de plus. Mais aujourd'hui, il faut tenir compte. Vous aussi, vous avez constaté avec moi, avec beaucoup de délicatesse, que l'opinion publique se sent un peu gêné à travers certaines actions de cette grande fondation. Le problème qui se pose, on a l'impression que celle qui a créé la fondation Grand Cœur use de sa position de première dame pour qu'elle puisse avoir de conventions avec des entités publiques. C'est ça le débat. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème ne doit pas se poser. Parce que nous sommes en train de faire une lecture de l'opinion publique. Comme l'autre l'avait fait, comme c'est un observateur, moi je suis en train de faire, parce que, comme je l'ai dit, d'aucuns estiment que ce qu'elle, aujourd'hui, elle est en train de faire, c'est l'abus de position. Mais le grand problème, c'est quoi? Comme je l'avais dit, que les actions qui ont été menées par cette fondation ont été dans le profond du social. Il faut reconnaître que la Fondation Grand Cœur a touché les plus démunis, les vulnérables, à travers un certain nombre d'actions. Mais la logique voudrait, moi je l'ai dit, il faut tenir compte, ce ne sont pas des actions. Il ne faudrait pas que la forêt cache les arbres. Il ne faudrait pas aussi que les arbres cachent la forêt. Autant, la logique voudrait qu'il y ait la traçabilité de toutes ces actions-là et qu'il n'y ait pas une confusion entre les actions publiques et l'action humanitaires ou sociales qui sont menées par cette grande fondation. Issa Al-Khalil, moi je constate sur le terrain des faits, Issa, vraiment, je constate que depuis la présence, depuis les activités de la fondation Grand Cœur en 2017, c'est lisible. Et que certains ministères, excusez de l'expression, chers téléspectateurs, qui somnolaient, essayent même déjà un tout petit peu de se réveiller. J'ai tort de voir cela de cette façon. S'il vous plaît, soyons humanistes. Ouais. Soyons humanistes. Raison pour laquelle je c'est dis ça. C'est la quatrième fois qu'il le dit sur le plateau. Hein. Soyons humanistes. Raison pour laquelle l'œuvre de l'action sociale de ce Grand Cœur est visible. On n'a pas encore des besoins de demander qu'est-ce que le Grand Cœur a fait. Nos panélistes frères posent la question toujours. La question sur la clairvoyance de la gestion de ces fonds de la Fondation Grand Cœur. Salouba nous disait tout à l'heure, les choses seront rendues publiques. Rendues publiques. Voilà. Par rapport à plusieurs conventions signées. Ne précipitons pas, les choses vont revenir. Ce n'est que 3 ans. Hein, ce n'est que 3 ans. Et puis, c'est la charge de madame la secrétaire générale de Fondation Grand Cœur doit se justifier. Que ce soit parce qu'on a une institution de la République. Elle doit se justifier où se font trouver. Où sont la convention avec les institutions de la République, telles que les ministères, telles qu'avec les autres institutions, elle doit se justifier. Nous ne précipitons pas. Maintenant, chaque organisation politique,
humanitaire, qui que ce soit, il y a un bilan positif et négatif. Nous sommes des humains quand même. Mmh. Soit le bilan doit être positif ou négatif. S'il vous plaît, quand même. Soit d'être des humains. Il y a des erreurs. Mais je ne dis pas les deux. Soit vous dites positif ou négatif. Positif, négatif. Soit négatif ou positif. Voilà. Vous ne donnez pas l'alternative. Non, voilà. Soit d'être positif, négatif. Parce c'est que vrai, nous sommes sur quand polémos. Je dois être positif, vous devez être quand même dire négatif. Je suis à soi. Je vais demander à Dida de me laisser quelques temps, le temps de connecter. Il s'est même déjà interconnecté. Ahmad Haroun Larry, à qui je dis merci. Hein. Il a été vraiment diligent tout à l'heure. Ahmad, vraiment, le consultant permanent de cette émission, membre de la société civile, écrivain. J'étais dans l'émission comme ça depuis un certain temps. Je laisse la parole à Ahmad Haroun Larry. Voilà. Merci. Moi, je n'ai pas peur de le dire que je soutiens la première dame. Mm. Je l'ai soutenue et je le soutiens. Mm. J'ai à critiquer un pays lorsque la fondation a signé la convention avec le cellule de veille pour dire qu'ils ont l'expérience. Mes critiques sont fondées tout simplement parce qu'il y a des personnes, comme Moussa l'a bien dit, il y a des personnes qui ternissent l'image de la fondation. Imaginez. Des personnes de la fondation. Qui sont dans la fondation. Parce qu'à un moment donné, pour avoir l'accès à la fondation, c'est mieux d'avoir l'accès au paradis. Ils ne vont pas te donner. Donc les gens ont accaparé la chose comme c'est pour eux. Or, la fondatrice, ce n'est pas ça. On vient dans la fondation travailler partout, ou on vient dans la fondation dans la vie, les gens dans ne la vie, pas. Dans non. La... Même pour travailler, lorsque vous êtes dans certaines organisations, vous avez des privilèges. Laissez la fondation Grand Cœur. Dans nos organisations, beaucoup de gens nous supplient pour entrer. On refuse. Et lorsqu'on me dit que la fondation, c'est que la secrétaire générale m'a dit, moi j'étais surpris, elle n'est pas obligée à rendre public. Qui a rendu public les activités de son organisation? Non, personne. Non, s'il vous plaît. Sauf s'il y a l'ordonnance du tribunal. Si le tribunal exige. C'est son avis, c'est son avis. Si le tribunal exige, d'abord on va rendre public. Mais le tribunal n'a pas exigé. Sur quelle base les gens demandent la transparence? Est-ce qu'ils sont membres de la fondation? Pour le bon fonctionnement de la fondation. Ce n'est pas. Pour le bon fonctionnement de la fondation. Je ne sais pas. On doit rendre public aux membres. Mais vous, les autres, vous ne faites pas partie de la fondation. Comment la fondation va vous montrer leur activité? Est-ce que votre parti, vous avez rendu public votre ressource? Vous avez rendu public votre financement? Mais si la population non, critique, quelle et population, si demande. Quelle population? Les individus qui diffament sur les réseaux sociaux, okay. Il y a voilà. Les lois qui sont là, c'est voilà. La diffamation. Maintenant, on fait l'amalgame entre diffamation et publication. Non, il n'y a pas de. C'est la diffamation. Parce voilà. Qu'il y a des gens qui acquittent la fondation. Polémos, nous sommes en direct sur Tchad 24 avec Ahmad Haroun Larry qui vient d'arriver. On a vraiment senti qu'il n'était pas là, qu'il était un peu absent. À côté, il avait laissé sa place à Moussa Kach qui nous a dit beaucoup de bonnes choses venant du fond de son cœur. Nous sommes en direct sur Tchad 24. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. La Fondation Grand Cœur, on sent que cela divise. Je vais me retourner de suite avant d'aller à Dida Mahamat Adoum vers Moussa Mahamat Madi. Oui. Moussa, est-ce que la première dame, oui. Je pèse bien mes mots, maîtrise encore sa fondation. Parce que, laisse-moi terminer, Moussa, il semblerait que gravit tout autour de cette fondation, comment je vais dire ça en bon français, des gens pas très très commodes. Et leur présence semble ternir les actions. Est-ce que la première dame du Tchad, elle a encore la main mise sur ce qu'elle a créé? Moi, je crois, par rapport à la maîtrise au sein de cette fondation, elle existe bel et bien, la première dame maîtrise. Mais sauf que vous savez qu'elle ne pourrait pas être au fond intérieur des uns des autres. Il y a des individus qui ont tendance à pouvoir saboter ou saper des acquis de cette grande fondation. Vous en connaissez, Moussa? Non, c'est Moussa qui a soulevé ce problème de ressources humaines. Écoutez, je ne fais pas un procès d'intention. Mais j'ai aussi un fort pressentiment que ce qui se passe n'aurait pas dû être avec certaines personnes. Aujourd'hui, vous savez que cette fondation est ouverte à tous les Tchadiens. Non, elle est ouverte. Tous les Tchadiens sans aucune discrimination. Et certains en profitent. Mais certains pensent qu'aujourd'hui, c'est leur apanage. Leur chasse gardée. Donc aujourd'hui, dans une république, comme M. Larry l'avait bien mentionné, que ce n'est pas la personne de notre première dame qui pose le problème. Moi, je l'ai dit parce que je n'ai pas vergogne de pouvoir cacher, de dire que j'ai une affection profonde. Elle est notre maman et c'est logique que quand elle œuvre dans le cadre social, que nous pourrions aussi accompagner ses actions.
Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est une autre maman et ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est dans le social. Mais le grand problème, il ne faudrait pas qu'on puisse dénaturer les objectifs de cette fondation. Ahmad Haroun Larry va répondre tout à l'heure parce que Bakary Osiri Angata dit qu'il s'inscrit en faux par rapport à tout ce que venait de dire Ahmad Haroun Larry. Il est sur les réseaux sociaux. C'est son point de vue. Tout à fait. Non, on va répondre tout à l'heure. Didier Mahamat Adoum. Écoutez, moi je... Oui. Je voudrais rebondir par rapport au propos de Moussa. Je crois que Moussa, sans se rendre compte, se jette dans un argument presque monotone. Mmh. Parce qu'il ne fait que nous dire la Fondation Grand Cœur œuvre dans le domaine, dans le domaine social, dans le domaine sanitaire. Ça, c'est un acquis. Mais dites-moi, Manadou, depuis l'existence de la Fondation, on sent qu'il y a quand même quelque chose de plus. Je suis à une dimension qui va au-delà de cet aspect visible pour voir même en quelque sorte les intentions de ceux-là qui sont autour. Qui gravitent tout autour. Justement. Et c'était moi-même qui ai dit tout à l'heure qu'en réalité, il y a des gens qui ont considéré et qui continuent de considérer la Fondation Grand Cœur comme un lieu d'ascension sociale ou bien un lieu d'ascension politique. Vous voyez, ils ont utilisé cette fondation comme un raccourci et à longueur de journée, ils ne font que transmettre leurs images au niveau de la population. Et la population, les connaissant, à un moment donné, aura les bonnes. La population est fatiguée. Pas de la fondation, mais de leur image. Justement. Monsieur... Pourquoi le débat est binaire? Tantôt vous êtes dans le fond, tantôt vous êtes dans la forme. Mais moi, je focalise beaucoup plus mon argumentaire sur la forme. Dans le fond, je suis d'accord. J'ai dit en réalité qu'il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître les efforts de cette fondation. Alors, je voudrais également ouvrir une fenêtre pour dire qu'en réalité, personne n'a de problème. D'ailleurs, notre statut ne nous permet même pas d'attaquer à une grande personnalité comme la grande dame. On n'a aucun problème avec sa personne, encore moins avec sa personnalité. Nous sommes en train de critiquer une œuvre, les œuvres d'une fondation qu'elle-même elle a créée. Et à un certain moment donné, cette fondation est devenue en quelque sorte un véritable serpent de la mer. Je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que la fondation n'arrive pas à maîtriser ses propres tenants et aboutissants, si vous voulez. Moussa Mamadou. Oui, et moi je pense que M. Dida... Après, Issa Hissène Al-Khalil va prendre la parole. Je pense que M. Dida, à vrai dire, avec tout le respect, il manque beaucoup d'argumentaires. Parce qu'il faut avoir la force de l'argument que d'avoir cette analyse qui me semble dénuée de tout fondement. Assez superficielle. Oui. Quand lui, il dit... Il va répondre. Oui, non, je vais... Permettez-moi de chuter. Quand lui, il dit que le grand problème... C'est autant les activités médiatisées du jour au jour des activités de grands. La Fondation Grand Cœur. C'est ça son problème. Moi, je lui dis non. C'est ça. C'est pas ça le problème. Je lui reconnais le fait qu'il dit n'est pas reconnaître les actions, c'est autant aussi c'est une aberration. Ça, je le reconnais. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas la monotonie des activités de Grand Cœur qui pose le problème. Mais le problème. Que ces activités n'ont pas l'assentiment populaire. Il faut dire les choses. Ça, c'est un. Et deuxièmement, l'opinion publique. Écoutez, permettez-moi. Et deuxièmement, le problème qui se pose. Permettez-moi. Et lorsqu'il n'existe pas l'assentiment populaire, j'ai l'impression que l'opinion publique estime. J'ai fait une lecture. J'ai l'impression que l'opinion publique estime qu'il y a une position. Un abus de position de la première dame. C'est ce que j'ai dit, parce que je suis en train de faire une lecture. Mais en ce qui me concerne, en tant qu'un leader de l'opinion, j'ai dit que les actions qui ont été menées par ces grandes fondations sont visibles. Et donc aujourd'hui, attaquer la personne de Mme Hinda, c'est autant manquer de l'éducation qu'on le veuille ou non. C'est aberrant. Je l'ai dit. Maintenant, le grand problème, si nous souhaiterons remettre la barre plus haute dans ce débat, c'est autant aussi mener des débats juridiques dans le cadre de l'abus de position où la transparence n'existe pas. C'est ça, c'est juste ça, c'est ça le débat. Les débats, ce ne sont pas seulement que sur la visibilité ou non. Non, le problème c'est quoi? Tantôt les gens parlaient de la communication, tantôt parlaient sur la forme, tantôt les sentiments populaires. Qu'entendons du sentiment populaire? Parce que la population tchadienne a déjà reconnu l'action humanitaire
de la Fondation Grand Cœur. Tout à fait. Sur tout l'étendue territoire national, dans la province. Parce que, raison pour laquelle j'ai dit ça, et puis revenons un peu, le problème, mon inquiétude se pose toujours sur la convention. La convention entre la Grand Cœur et les institutions de la République. Ou même les institutions du monde. Ou les institutions du monde. Non, parce que la population tchadienne ou les citoyens lambda n'ont pas intéressé à la convention mondiale. Ils parlent de conventions nationales. Ce qui se passe entre les institutions nationales, entre les institutions de la République et les institutions étatiques. Étatiques et la Fondation Grand Cœur. Ce qui a suscité, il n'y a pas une. Éclaircissement de certaines questions. Visibilité. Mais la secrétaire générale venait de dire que tout sera public. Oui, tout sera public. Mon frère Patrice a déjà répondu. Ahmad a déjà répondu. La secrétaire générale, la population n'a pas droit à la secrétaire générale. Il va argumenter tout à l'heure. Il va argumenter. Parce que raison pour laquelle ce sont les populations tchadiennes, des intellectuels tchadiens comme nous, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous êtes une population tchadienne, vous avez le droit de les voter. Vous avez posé la question. Vous êtes les acteurs politiques. Est-ce qu'on a posé un jour une question? Présentez-nous nos bilans financiers. Si vous avez posé la question, on vous présente. Parce que raison pour laquelle vous êtes tchadien. Et nous, militants, vous allez détenteurs de cartes d'électeurs. Un jour, vous serez voté avec nous autres. Raison pour laquelle, soyons clairs. Les fondations Grand Cœur a ses budgets, a ses dons, a ses lèches, a ses cotisations. Étant comme les autres organisations. Tchadienne, qui organisation politique. Nous aussi, on a des dons, on a aussi des lèches, on a aussi des cotisations de membres. Vous, parti politique. Nous, parti politique. Par rapport à ça, on fait nos festivités, nos manifestations politiques. Vous avez des subventions. On a des subventions aussi. On a des subventions. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas reçu notre subvention? Ça, c'est un autre cas. Nous sommes ici dans le cadre de la Fondation Grand Cœur par rapport à l'émission. Merci beaucoup. Je passe la parole à Ahmad Haroun Larry. Tout à fait. Puisqu'il y a les attaques sur les réseaux sociaux. Oui, je suis assoiffé. Et je sais, les attaques sur les réseaux sociaux, c'est leur habitude. Parce que comme il y a laissé faire, les gens pensent que sur les réseaux sociaux, ils attaquent comme ils veulent. Vous savez, lorsque j'ai dit. La Fondation Grand Cœur n'est pas obligée. Parce que pour obliger la Fondation Grand Cœur, il faut que les tribunaux, il faut que les juges délibèrent un mandat. D'abord. Mais comme ça, seulement vous dites, la CPDC, depuis quand, combien de temps qu'on a demandé lorsque vous étiez rapporteur, qu'ils nous montrent leurs fonds, ils n'ont jamais nous montré. Et ils comptent diriger le pays. Les associations, nous sommes dans les organisations. Non, je vous réponds, non. Je suis l'ex-rapporteur de la majorité présidentielle. Mais aujourd'hui, la CNDP, est-ce que la CNDP est en train de dire à la population ce qu'ils font? Est-ce que la population a demandé? La CNDP, c'est une cuisine interne politique. S'il vous plaît, Ahmad Haroun Larry, chers invités, notamment Issa Hissen Alkali, président PPL, Parti Populaire pour la Liberté. Parti Populaire pour la Liberté, Ahmad Haroun Larry, écrivain, consultant, membre de la société civile, consultant permanent dans le cadre de nos émissions, Dida Mahamat Adoum, enseignant-chercheur, Moussa Mahamad Madi, président Dynamique Citoyen, il est également membre de la société civile, et Moussa Kach, qui a priori va revenir tout à l'heure, actif sur les réseaux sociaux, il est juriste en relations internationales. Je compte sur vous pour qu'il y ait la paix, la clarté, pour que nos téléspectateurs, certains commencent déjà à se plaindre, puissent avoir l'interconnexion juste. Et très peu donné du travail, quand même, c'est une dame à la réalisation. On devait faciliter le travail à Marie. Alors, c'était beaucoup plus Ahmad Haroun Larry qui avait la parole. Il faut chuter. Oui. Donc, il faut que je réponde pas pour. Vous savez, il y a eu beaucoup de recherches. Dans les universités, en sciences sociales en général, ces recherches sur les rôles et les fondations des premières dames en Afrique ou à travers le monde, beaucoup de chercheurs n'osent pas. Parce que beaucoup de gens mettent leurs sentiments. Que les recherches scientifiques, que la science. Mais pour faire la science, il faut se déconnecter de tous les obstacles épistémologiques qui vous empêchent de voir la vérité en face. D'atteindre votre objectif. Et c'est pourquoi beaucoup de chercheurs n'osent pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des recherches sur le rôle même des premières dames en Afrique ou à travers le monde. Et depuis que la fondation, ou les fondations en Afrique qu'on a commencé à créer, les gens ont constaté que tous les premiers dames commencent à faire des œuvres sociales qui contribuent plus que les structures étatiques bureaucratiques qui ne font pas les actions. Et très souvent, parce qu'elles ont un agenda sur le plan national et sur le plan international. Concernant les cas du Tchad, surtout la fondation Grand Cœur a bénéficié d'expertise de la première dame qui était la présidente de l'OPDAS, l'organisation des premières dames pendant 4 ans.
Elle a sillonné le monde pour plaider pour la lutte contre le sida, après pour le développement de l'Afrique. Et c'est cette expérience qu'elle a mise en place pour créer la Fondation Grand Cœur. Et cette fondation, moins de 3 ans, elle a fait des activités. Honnêtement, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes tous jaloux. Je vous dis clairement, parce que cette organisation qui est née comme ça, elle nous dépasse. Tout simplement parce qu'elle a su copter des gens. Peut-être c'est l'influence de la première Non, ce n'est pas l'influence. Et il n'y a pas de loi sur le trafic ou sur l'influence au Tchad. Beaucoup de gens évoquent sur les réseaux sociaux, ils ne savent même pas qu'il n'y a pas de loi sur ça. Même s'il y a des trafics, comment vous pouvez dire qu'il y a des trafics? Pas de preuves. Mais même s'il y a des trafics, est-ce qu'il y a des lois pour condamner ça? Il n'y a pas ça. Donc ne cherchons pas l'esprit, qu'il n'y a pas de loi. Donc si l'Assemblée ou les députés commencent à parler n'importe comment, certaines personnes qui ne maîtrisent même pas les sujets, tout simplement, ils sont choqués de voir la première dame faire des œuvres. Que la fondation fasse des œuvres et qu'ils n'ont pas eu cette chance. Et ça, je vous l'ai dit, en tant qu'un acteur de la société civile, je me rappelle. Parlement, à l'hémicycle parlementaire. À l'hémicycle, le président de l'Assemblée a dit ce débat ne doit pas être ici. Et concernant les conventions, il faut que je chute par là. Concernant les conventions, la plupart de nos organisations, on a signé des partenariats avec l'État. Nous, on a signé pour organiser le forum pour gouvernance d'Internet ici. On est parti au Bruxelles, on a amené l'État, on a fait quelque chose. Personne ne nous a critiqué parce que ce n'est pas la première dame. Nous, on a fait à plusieurs reprises. Lorsqu'on fait ça avec nos organisations, il n'y a pas de problème. Nous, on est en première ligne, on écarte aussi les membres du gouvernement. Mais ça, il n'y a pas de problème. Si l'organisation dirigée par la première dame, ça cause un problème. Avant est-ce que qu'il y a une différence? Adoum ne puisse prendre la parole, je vais rester. Ahmad Haroun Larry, est-ce que, j'ai posé la question tout à l'heure à Moussa Mahamat Madi, la première dame a-t-elle encore la maîtrise parfaite de son bébé, la Fondation Grand Cœur? Je pense que oui. Vous savez, lorsqu'on crée une organisation, même si on a démissionné ou notre mandat a fini, on garde toujours l'œil. Mais la première dame, à nos jours, elle s'occupe des relations internationales pour les récoltes de fonds sur le plan international, pour sauver son peuple. Mm-hmm. Tous les fonds, les médecins qu'elle apporte sur le plan international, c'est par rapport à l'agenda. Parce que, comme je vous l'ai dit, elle était à l'OPDAS, elle a eu l'agenda international. Donc, facilement, elle trouve des fonds. Et c'est pourquoi elle a laissé les problèmes internes au secrétaire général. Et sur le plan international, c'est elle qui est en train de faire la diplomatie. Et cette diplomatie, c'est permis pour tout le monde. Même moi, je voyage souvent, parfois, pour faire. Nous, ce voyage à prise de République au nom du Tchad. Moussa, c'est plutôt dit à Mama Tadou. Mais l'autre a parlé. Moi, je n'ai... Ah, vas-y, Moussa. Moi, je suis étonné. Je suis étonné. Puisque moi qui croyais pouvoir faire les analyses, je suis arrêté à des positions arrêtées et je ne sais pas pour quelle intention. Peut-être avec des convictions, cas, ces positions sont arrêtées cas, par rapport aux convictions. Dans tous les cas, je tiens mordicus ma position pour observer qu'en réalité, et quelque part, c'est comme si nous avons l'impression que les gens cherchent à rattraper par la Fondation Grand Cœur ce qu'ils ont raté par la politique. Vous voyez, et ça nous donne l'impression que la Fondation Grand Cœur est devenue en quelque sorte un lieu d'ascension sociopolitique ou bien politico-sociale, si vous voulez, et c'est devenu en quelque sorte loterie où il faut passer pour avoir quelque chose, et c'est devenu en quelque sorte, quelque part, comme un marché noir. Et on ne comprend pas, parce que parfois, on a l'impression que l'intention réelle même de la première dame a été trahie. L'intention réelle même de la première dame a été trahie. En fait, ses bonnes intentions semblent être biaisées. Elle veut aider, bien entendu, la population. Par exemple, la caravane sanitaire. Nous avons vu la caravane des médecins. Nous avons vu l'aide aux vulnérables. Nous avons vu également les aides aux femmes démunies. C'est quelque chose qui est visible. C'est pourquoi j'ai dit notamment tout à l'heure les tables bancs également qu'on a donné ça, d'aller au-delà des visibles, parce que ça c'est quelque chose qui à qui tout le monde le sait, tout le monde l'observe, qu'ils sortent de cette coquille là, aller au-delà des visibles pour pouvoir porter un jugement de valeur sur ce qui est jugeable, sur ce qu'on peut juger. Donc j'invite tout le monde à garder une position de neutralité, et comme il l'a dit tout à l'heure, peu de chercheurs aujourd'hui sont objectifs. Moi qui suis là, pour votre information, j'ai même une étude sur la fonction des présidents de la République au Tchad et au Cameroun également. Et en thèse de doctorat, je mène également une étude sur les pouvoirs des présidents de la République dans les États d'Afrique noire. Les téléspectateurs sont situés par rapport... Je sais ce que c'est les prérogatives d'une première dame. Je sais ce que c'est les prérogatives d'un président de la République. Mais quelque part, on a l'impression qu'on est à côté de la plaque.
Parce que tout le monde n'est pas satisfait quelque part. La première dame a l'intention pure de, et noble même de la première dame a été trahie. Non, il venait de faire un débat avec Larry. Issa Hissène Alkali, s'il vous plaît. Oui. Parce que raison pour laquelle les gens s'intéressaient trop sur la question de la première dame, Fondation Grand Cœur. Ouais. Prenez un exemple précis au Sénégal. Récemment, quand la commission du comité de veille de COVID-19 de la République du Sénégal, le président Macky Sall a nommé son beau-frère, le grand frère de la première dame. Comment l'opposition a été critiquée et le problème a pris sur les réseaux sociaux et l'ampleur sur les chiffres nationaux et internationaux. Finalement, pourquoi ils ont critiqué? Parce qu'il est le grand frère du première dame. S'il il est le grand frère de la femme du président. La femme du président. Mmh. Parce que s'il n'était pas le grand frère de la femme du président de la République du Sénégal, les gens n'y parlaient même pas. Mmh. Parce que l'influence, les gens parlent surtout la question de première dame. Les gens s'intéressaient pourquoi première dame. Si la fondation était pour ma femme ou pour ta femme ou pour l'autre, personne ne veut parler sur le réseau, c'est ce que ça soit. Exactement. Ou dans la rue. Mmh. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que Fondation Grand Cœur. La Fondation Grand Cœur a fait ses œuvres. Et Dida Mahamat Adoum va dans le sens en disant que lui, il reconnaît les œuvres, mais il est un peu gêné par rapport à la médiatisation. Et surtout, certains en profitent, n'est-ce pas, pour leur ascension personnelle. Voilà ce qui gêne Dida Mahamat. Voilà, ça aussi, nous dénonçons ça, parce que c'est vrai, nous sommes des acteurs politiques, mais nous sommes des populations qui arrivent en tant qu'également président d'un parti. Voilà, d'un parti. Et puis, je donne ma position et ma vision par rapport à ça. Et puis, les gens, comme vous venez de dire, moi, surtout la jeunesse n'a pas sa place sur tous les plans. Oui. Que ce soit politique, économique, culturel et social et dans la vie associative. C'est le débat d'Amat Laroun Harry sur ce plateau depuis. Parce que nos aînés qui sont là, ils ne peuvent pas ouvrir la porte à la jeunesse. Mais on a parlé, l'administration, c'est une continuité. Là, si c'est une continuité, il faut amener ces jeunesses-là pour apprendre et pour sauver la République. On ne peut pas venir rester après tu as fini tes études supérieures, 5 ans à la maison ou 10 ans à la maison dans le chômage technique et tu viens comme ça dans une membre du groupe. Ça ne se fait pas. Mais Moussa Mamad, il faut laisser la place à la jeunesse. Oui, oui, merci beaucoup. Merci Moussa Mamad. Oui, moi, je connais beaucoup de jeunes dans la Fondation Grand Cœur. Non, vous permettez. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce. Je ne vais pas me laisser traîner dans ce genre de débat de la jeunesse. Oui. Parce que nous sommes, j'ai l'impression, sans autant m'auto-proclamer. Nous avons quelque part l'apanage en fait de pouvoir mieux parler à la place de la jeunesse. Mmh. Lorsque vous avez affaire à un chef d'un parti politique allié, moi peut-être que j'ai l'impression que ce sont des manœuvres tendant à pouvoir peut-être que avoir 2 ou 3 électeurs. Ce sont vos impressions. Et ça, ce sont mes impressions. Tout parce que je sens. Nous sommes toujours dans la rhétorique. Permettez-moi, vous aussi, nos électeurs. Dans cette rhétorique, à Moussa Mamadi, allons-y dans le fond du à chaque fois de faire. La jeunesse est un fonds de commerce. Tout à fait. Mais je voudrais juste la revenir par rapport à... aux déclarations de Dida Mahamat Adoum. Monsieur Dida, il faudrait qu'on s'entende sur une chose. Lorsque Monsieur Dida, qui est un enseignant, chercheur, s'est permis de dire que la fondation est un instrument d'ascension sociale. Pour certains. Ou politique, pour certaines personnes. Ayant raté moi, leur vocation ailleurs. Moi, je pense que c'est une mauvaise lecture de choses. Soit vous jetez l'enfant avec le levain, soit vous retenez l'enfant. Et donc, si vous avez l'impression que cette fondation est gérée par quelqu'un, cette personne aurait aussi mieux à voir la maîtrise de cette fondation que de pouvoir caricaturer les objectifs et de permettre juste de façon irrationnelle sa gestion. Je voudrais revenir. Ce sont des parenthèses. Je ne souscris pas à cette vision que lui partage, et d'ailleurs c'est mon point de vue. Mais lorsque vous êtes dans une république, autant vous pouvez inlassablement chercher la transparence de la gestion des choses publiques, autant vous avez aussi le droit de savoir d'où proviennent les financements ou les ressources d'une telle ou telle structure. Ça, je suis d'accord. Et donc moi je pense aujourd'hui il faudrait pas qu'on puisse inventer des arguments pour éclabousser cette grande fondation. Je suis parfaitement d'accord. À un moment donné, il y a une faille, il y a des dérapages. Moi, je l'ai dit. Le problème,
Ce ne sont pas la visibilité des actions que tu étais menées. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Laissons à côté. Sey Adumwalo, je lis, hein, oui, je vais revenir à Sey Adumwalo. Les œuvres de la Fondation Grand Cœur sont salutaires, mais elle est entourée de mauvaises personnes, des personnes mafieuses, oui, comme si la première dame a perdu le contrôle de sa fondation. Ouais. Ok, ça c'est sur son point de vue. Sey Adumwalo. Willow. Oui, pour vous permettre, je l'ai dit, les actions qui sont visibles, on n'a pas besoin de revenir sur ça. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi il y a des remous autant? Pourquoi il y a des désaccords autant? Pourquoi il y a cette attitude belliqueuse face à notre première dame? Est-ce que c'est en raison ou non? C'est ça le débat qu'on va emmener. Pourquoi ils ont raison? Et pourquoi ou non ils ont tort ou pas? Et dans ça, moi je l'ai dit, et dans toute action, la transparence devrait être de mise. Mais aujourd'hui, la relation qui existe entre les postes du chef de l'État et les institutions du chef de l'État sont déterminées et sont définies. Lorsque M. Dida avait bien mentionné qu'il connaît les prérogatives du président de la République, j'ai dit que les prérogatives du président de la République sont reconnues dans la loi ou dans la Constitution. Autant pour moi, la Constitution sont définies les prérogatives du président de la République. Mais quand il s'agit de la première dame, elle n'a que des rôles honorifiques. Je suis parfaitement. Elle n'a que des rôles honorifiques. Mais aujourd'hui, lorsque elle souhaiterait intervenir dans l'action publique, elle aussi, elle a ses casquettes, elle pourrait éventuellement intervenir dans l'action publique. Mais comment elle pourrait intervenir? Est-ce qu'en abusant des moyens de l'État ou en faisant appel à des partenaires qui pourrait inlassablement aider une fondation? Donc, c'est ça le débat que nous pouvons d'accord pour s'il vous plaît, nous avons les téléspectateurs. Non, écoutez, c'est pas ça le débat. Moi, je pense... Non, lorsque vous parlez... Non, j'ai dit... Une minute. Lorsque vous... Moussa Mamad m'a dit, une minute. Les réseaux sociaux, nous sommes obligés de lire. Hein. Voilà, ça, il s'attaque encore à mon ami Amat Haroun Larry. Voilà, allons-y. Dites à ce beau parleur d'Amat qui dit que le côté nalkadien ne sanctionne pas le trafic d'influence de titres d'extrait du code pénal tchadien, titre 4, etc. Et en fait, il est là en train de citer le code pénal, les articles qui peuvent pénaliser ceux qui, via les réseaux sociaux, peuvent se permettre n'importe quoi. Il fallait que je puisse... Mais qui a trafiqué? Est-ce que la première dame a fait le trafic d'influence? Non. Mais attendez, monsieur Moubarak. Monsieur Moubarak, la fondation... La réponse était claire. Ouais. J'ai posé la question à monsieur... Glary, je dis, c'est par rapport à l'influence de la première dame de la République que la Fondation à Grand Cœur a pris cet élan. Tout à fait. Lui, il a répondu, dans la loi tchadienne, il n'y a pas une code pénale qui sanctionne la trafic. Il n'y a pas la loi qui... Attendez, mais c'est par rapport à la question que le monsieur a répondu. Oui. Il n'y a pas la loi qui sanctionne la trafic d'influence ou qui que ce soit. Et monsieur, le monsieur a nous clarifié ici sur l'article 4 et l'article 5 de la code pénale. Maintenant, vous vous permettez. Vas-y, faut chuter. Ok, bon, je voudrais là, quand on mène un débat, est-ce que vous êtes pour ou contre l'institutionnalisation ou rôle du premier ministre, du premier dame, autant pour moi? Ouais. Vous savez que vous rassemblez tous les juristes du monde. Ils n'accepteront pas. Non, la Constitution ne permet pas. Ne permet pas. Soyez clairs. Aujourd'hui, vous savez qu'elle est. Mais l'influence existait autant à l'époque du prophète. Non. Dans tous les prophètes, que ce soit par Moïse, par les pharaons, par les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Moussa Mamad m'a dit il faut chuter. Attendez d'abord. Moi, s'il te plaît, c'est moi qui donne la parole. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'accorde sur une chose. Il ne faudrait pas qu'on mène. Il faut chuter par là. Tout à fait. Le débat qui existe actuellement. Est-ce que les avis de ceux qui aujourd'hui sont en désaccord avec le Grand Cœur sont légitimes ou non? Et moi, je dis que cela nous amène à une réflexion dialectique. D'une part, je l'ai dit, s'il faut mener un débat de fond en comble, nous allons se rendre compte que, certes, qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amat Haroun Larry, une minute. Ouais. Je me dis que peut-être, sûrement, les juristes, les intellectuels, de haut calibre qui accompagne la Fondation Grand Cœur savent exactement ce qui se passe, les articles qui peuvent punir, influencer, peut-être, mais peut-être ils se disent qu'il faut laisser faire et
essayer de contourner cela en répondant sur le plan de la communication à ceux et celles qui se posent 10 000 questions sur les réseaux sociaux et peut-être ne maîtrisent pas toujours les tenants et les aboutissants. Je suis parfaitement d'accord parce qu'il y a des grands juristes à la Fondation et ils savent très bien ce qui bavarde sur les réseaux sociaux. Parce que moi, comme je vous ai dit... Mais il ne faut pas qualifier des bavards, mais il faut qualifier... C'est leur point de vue. C'est logique. C'est des gens qui bavardent sur les réseaux sociaux. Tout simplement, lorsque j'ai dit les problèmes de trafic d'influence, conflit d'intérêts, juridiquement, pour démontrer, c'est un problème. Voici un juriste qui est là. Comment vous pouvez déterminer, lorsqu'on parle de trafic d'influence, comment peut-on qualifier ce trafic d'influence? Est-ce que vous avez les preuves matérielles? Parfois, on parle d'avantages de fonction. Vous avez une fonction, vous êtes dans une organisation, vous avez ces avantages. Lorsque ces gens voient qu'il y a beaucoup de membres de grand cœur qui sont devenus des ministres, est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit dans la loi. Donc, femme du président, est-ce que c'est interdit qu'elle soit ministre? Ce n'est pas interdit. Mais les gens, à un moment donné, ils se sont attaqués au fils du président. Ils se sont attaqués à ses beaux-fils. C'est partout au monde, non, pas au Tchad. Pourquoi? Parce que les gens, au lieu d'attaquer le chef lui-même, qui est plus proche passe de lui, passe par des raccourcis. Passe par des raccourcis et attaquer sa femme, c'est l'attaquer lui-même. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que Moubarak, vraiment, je t'estime bien, mais je n'aime pas ta femme. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ces gens qui font, ils se cachent derrière pour faire. Aujourd'hui, lorsque vous me dites, la Fondation Grand Cœur doit démontrer. Mais qui parmi nos organisations, on a des milliers d'organisations, personne n'a démontré la provenance de ces fonds. Or, les fondations, les donateurs, la majorité sont des anonymes. Ils ne se montrent pas. Vous ne pouvez pas, un donateur anonyme, sauf s'il y a un conflit, si la loi, si le juge... A clarifié tout ça. Clarifié et le juge exige. D'abord, lorsque vous parlez, les gens ont critiqué. Nous, les jeunes, on a critiqué les organisations de femmes. Elles ont pris tous les financements au nom de la jeunesse. Elles crient au nom des jeunes. Elles n'impriment même pas les jeunes filles. Les organisations de femmes. Je ne vais pas citer ces organisations. Okay. Et c'est connu. On a beaucoup crié. Qui a demandé de voir leurs fonds? Et ces organisations de femmes bénéficient 10 fois plus de fonds que la Fondation Grand Cœur. Mais elles ne font rien sur le terrain. Personne n'a parlé. Issa Hissène Al-Khalil, en restant dans le... Issa Hissène, il faut répondre. En restant dans le sujet, nous sommes sur la Fondation Grand Cœur, les attaques sur les réseaux sociaux. Alors là, il vient de répondre à Matt Haroun Larry. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou des choses à soustraire par rapport à ses propos avant qu'on ne parte sur Didama Matadou? Oui, j'ai des choses à soustraire parce que le fait d'attaquer la personnalité des personnes, ce n'est pas bon. Le fait d'attaquer la personnalité de la grande dame. Que ce soit de la grande dame ou de la personnalité qui s'assoit. Ce n'est pas normal. Religieusement parlant, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des protestants. Religieusement, ce n'est pas normal. S'il y a des preuves, qu'il y a des preuves, voilà, il faut présenter la preuve dans les réseaux sociaux. Voilà, vous avez tel acte, vous avez présenté à la justice. Mais le fait d'attaquer la première dame, c'est pas normal. Didama Matadou, enseignant chercheur. Sincèrement, je suis allé sur les réseaux sociaux. Je prépare cette émission depuis 6 jours. Oui. Sincèrement, c'est factuel. Il n'y a pas de preuve en tant que les attaques restent. Au bas de la ceinture. Je comprends votre inquiétude, Monsieur Moubarak. Je voudrais simplement nous rappeler que il faut dépassionner le débat. Je crois qu'il y a trop de passion autour du débat. C'est normal. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, l'essentiel n'est pas d'aller, mais de savoir où aller. Puisque quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. J'aurais aimé qu'on se focalise sur le débat pour dire aux uns et aux autres qu'en réalité, quelquefois, il faut donner raison à l'autre pour croire avoir aussi raison. Il ne faut pas jeter les autres dans la gueule des loups. Qu'est-ce que je vais dire par là? Parfois, quand on te critique, il faut s'arrêter pour dire en réalité, est-ce que celui-là qui me critique même là n'a pas tort? Est-ce qu'il n'a pas, en quelque sorte, est-ce qu'il n'a pas raison, je vais dire, dans ses critiques? Est-ce qu'il n'a pas raison? Parce que il ne sert... Justement, non, je suis en train de dire... Non, synthétise-nous. Non, il faut... Qu'est-ce que vous... Didama Matadou, allons-y, allons-y. Moussa Mahamad Madi, allons-y. Il faut chuter. Cette leçon est nécessaire du moment où il y a des dérapages. Cette leçon est nécessaire. Ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est que il faut qu'on arrête... 15 secondes. Qu'on marque un moment, justement. Qu'on marque un moment d'arrêt. Qu'on marque un moment d'arrêt. Qui marque un moment d'arrêt sur les réseaux sociaux? Tout comme les agitateurs de Fondation Grand Cœur. Les agitateurs de Fondation Grand Cœur. Vous pesez vos mots.
Lui, justement. Et vous l'assumez? J'assume, parce que c'est lui qui l'a dit. Moussa Mahamat m'a dit. Oui, en allant dans le sens de Dida Mahamat. On va revenir. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arroger à une tribune de donneurs de leçons. Non, tout à fait. Monsieur, Dida, pour moi, j'ai beaucoup de respect. Non, mettez ma personne en dehors du débat. Mais lorsque un ancien chercheur qui est censé pouvoir incarner l'éducation, le transmettre, qui se dit que agitateur, non, ce ne sont pas des termes sensibles qu'il faut un chercheur ou un ancien pourrait utiliser. Moi, je ne l'apprends pas. Non, il le dit qu'il assume ses propos. Il assume ses propos. Non, c'est non, vous savez, lorsqu'on dit celle-là, alors, ce monsieur-là, il aura des différences. Et moi, je pense nécessairement. Le respect de l'honnêteté intellectuelle. Le truc est très nécessaire. Nous sommes dans une république. Il est bien vrai qu'il y ait des dérapages. Il est bien vrai qu'il y ait des incohérences. Lui, en tant qu'un citoyen, il aurait peut-être mieux s'exprimer de façon bienveillante. On aurait bien compris et le débat pourra avoir aussi sa suite. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Ahmad Haroun Larry, gardez votre mal en patience. Dida, on va revenir. Le but était que tu puisses un tout petit peu. Voilà. Voici ce que dit Sylvie Maïnoura. Sylvie Maïnoura, elle précise, elle insiste, je ne sais pas si elle a un souci avec notre consultant permanent, elle dit ceci, l'autre en cravate rouge crie, il ne raisonne pas. Ahmad Haroun Larry. Vous savez, le raisonnement, ce n'est pas sur le Facebook. Le raisonnement, c'est les tribunes de débat. Mais il faut avoir le calibre pour faire les débats aussi. Ouais. Ce n'est pas écrire les trucs. Les téléspectateurs écoutent les débats. Tout ce que moi j'ai dit, si vous avez des arguments contraires à porter, moi je dis parce que je sais de quoi je parle. Les personnes qui m'attaquent, c'est normal parce que même avant de commencer, on me dit, mais si tu commences à dire la vérité, tu vas avoir des problèmes. Mais j'accepte. Mais j'accepte de dire la vérité. Avec qui? Non, il y a des gens qui veulent que j'insulte la fondation. Je ne dis pas la vérité sur la fondation. La fondation, si elle a connu, elle a commis des actes contraires à la loi, c'est là où que vous me dites que je défends. Mais la fondation n'a pas connu. Moi, mon problème, c'est quoi? Lorsque les gens acquisent les membres de la fondation, je suis d'accord. Parce qu'ils ne viennent pas avec des arguments solides pour défendre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui juridiquement attaquer la fondation qu'elle a commis quelque chose contraire à la loi. Si c'est contraire à la loi, de montrer. Et si vous êtes habilité à porter plainte, vous portez devant les tribunaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Les gens pensent qu'en criant sur les réseaux sociaux, ils sont protégés. Mais il y a toujours, même en m'insultant, insultant la fondation sur les réseaux sociaux, on peut porter plainte. Il y a Ansis qui est là pour vous. Parfois, les gens se cachent derrière des pseudonymes pour écrire des choses, pour inciter les gens. Moi, j'ai mes raisons. Si la fondation ou toute autre fondation à travers le monde a l'obligation de rendre public ce contrat, ces donateurs, il faut m'expliquer pourquoi nous, les autres organisations, on ne fait pas, mais la fondation Grand Cœur qui gêne. Et pourquoi la fondation Grand Cœur gêne? Tout simplement parce qu'elle est dirigée par la femme du président de la République. Et si elle est dirigée par la femme du président de la République, les gens qui détestent politiquement, les politiciens ont dit que la première dame avec sa fondation est en train d'avoir le sentiment du peuple. Mais c'est normal. En tant que femme du chef de l'État ou en tant qu'acteur de la société civile, on est obligé à travailler avec les politiques nationales du développement. Pas demandé ça. Dida Mahamat Haroun. Ce qu'on fait dans la société. Ahmad Haroun Larry, merci beaucoup. Oui, Dida, c'est le problème de tout le monde. Oui, Issa Hyssen, s'il vous plaît. Allons-y, oui. Dida Mahamat Haroun. J'aurais souhaité, et c'était le but, qu'il y ait un peu de calme. Maintenant, allons-y. Allons-y, Dida. C'est mon point de vue également, le fait qu'il y ait un peu de calme dans le débat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que au-delà de toutes les observations, au-delà des commentaires qu'on fait ça et là, j'aurais aimé qu'on revienne sur la table, nous-mêmes, en tant qu'observateurs, en tant que citoyens, qu'on se demande quelle couleur qu'on veut donner à, si vous voulez bien, comme vous, à notre fondation. Quelle couleur, quel but voulait-on donner à notre fondation? Quelle orientation qu'on peut donner à notre fondation? J'aurais aimé qu'on arrive sur ce débat-là. Alors, partant sur ce postulat, je voudrais qu'il y ait une fondation Grand Cœur qui répond aux aspirations et aux besoins du peuple, mais qui reste également dans le sentiment du peuple et non aller à l'encontre du sentiment du peuple. J'aurais aimé qu'il y ait une fondation, n'est-ce pas, qui aide les citoyens comme elle l'a fait, mais dans le bon sens et dans les bonnes intentions. J'aurais aimé qu'il y ait une fondation Grand Cœur qui, n'est-ce pas, œuvre dans le domaine social et non dans le domaine politique. J'aurais aimé qu'il y ait une fondation qui a, n'est-ce pas, une frontière claire, une traçabilité claire
sur son processus de dépenses, comme il l'a dit, M. Moussa. Mmh. Il n'est pas fait. Au moins, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Mmh. J'aurais aimé, enfin, qu'il y ait une fondation Grand Cœur qui, non seulement... publié ou bien ses actes sont et c'est pas là qu'il faut chuter exagéré oui. Mais une fondation Grand Cœur moins agitée, retenue, noble et rationnelle et qui œuvre dans les domaines. Issa Hissène Alkali, avant de poser la question, je vais lire. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, chers téléspectateurs. Vous pouvez également nous suivre sur le bouquet Ilnet. Voici ce que dit Issa Ahmad Diko. Pour qu'on s'allie derrière la politique de la Fondation Grand Cœur, il faut qu'elle nous éclaircisse sur la provenance des fonds et comment sont gérés ces fonds. Je me retourne donc vers le président du parti politique PPL, Issa Hissène Alkali. Est-ce qu'une fondation doit impérativement publier ses fonds? Non, la loi ne permet pas. Mmh. Parce que la loi... Une minute. Attendez d'abord, ouais. Il y a les chartes des partis politiques et il y a la charte des associations de la société civile. Tout à fait. Je ne maîtrise pas la charte de la société civile. Mmh. Revenons, parce que la population tchadienne veut la clairvoyance de la fonds et le fonctionnement de la Fondation Grand Cœur. Mmh. La Fondation Grand Cœur étant comme les autres, elle a une autorisation comme les autres associations. Il n'y a pas une ONG ou une fondation privilégié à l'autre ONG, à l'autre association. Mmh. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes tous dans les mêmes statuts. Parce que raison pour laquelle ils ont délibéré l'autorisation de fonctionner par le même ministère en charge. Ces propos, c'est pour répondre à la question que j'ai posée. Pour répondre à ces questions. Oui. Et le fonctionnement, parce que je ne suis pas membre de la Fondation Grand Cœur. Tout à fait. Je ne sais pas ce qui se passe dans la Fondation Grand Cœur. Mmh. Je suis de la majorité. Non, s'il vous plaît. Vous êtes de la majorité. C'est toujours, je parle d'amalgame. Il y a différence. Moi, d'amalgame. Je suis l'amalgame. Je suis dans la majorité présidentielle. Moi, je coordonne, et je maîtrise et je vois c'est toutes les questions qui sont l'institution de la République du Tchad. Oui. Raison pour laquelle on a soutenu le bilan des chefs de l'État Idriss Déby Itno mm. et les programmes politiques sur lesquels on a soutenu, élu et investi. Sur une minute, on a investi. Si vous voulez la question, je comprends. Moi, je ne suis pas membre de la Grand Cœur. Et les fondations Grand Cœur n'étant pas membre de l'institution de la République. Issa Hissène Alkali, il faut répondre à la question par rapport aux... Non, il faut répondre à cette question-là, voilà. Parce que je voudrais le poser. Et le fonctionnement de ces partis ou ouais. L'autre, le don de ces partis, ouais. C'est étant comme les autres associations. Mm. Le cotisation, il y a les leges, il y a les dons qui viennent de l'extérieur, qui est à l'intérieur du pays. C'est par rapport à ça que les fondations. Est-ce qu'il faut officialiser les fonds de la Fondation Grand Cœur? C'est la question que le téléspectateur... Parce que je ne suis pas juriste. Je ne peux pas prendre en charge pour répondre oui. Moussa Mamad m'a dit. Pour répondre oui et après, ça ne figure pas sur la loi. Non, écoutez, je suis... Sur la loi. Merci beaucoup. Je ne peux pas dire non et après, ça figure sur la loi. Il faut chuter. Nous avons des contraintes de temps. Allons-y, Moussa Mamad m'a dit. Je suis Issoufi Cheikh Gueye. Ouais. En tant que chef de parti politique, lorsqu'on lui demande est-ce que vous êtes pour officialiser le fonds, par exemple, d'une fondation qui fait autant... Mais il a droit de réserve. Non, c'est non, son droit. Non, j'ai dit, il est appelé à gérer la cité. C'est pas... il ne faut pas... Gérer. Mais je maîtrise pas la loi juridique. Il a son droit de non, réserve. Non, je maîtrise pas la loi juridique. Non, mais ce n'est pas la loi, c'est votre souhait. Lorsque vous, non, vous monsieur, dirigez votre parti... Moussa Mamad m'a dit. Moussa Mamad m'a dit. Arrêtons ces balles de ping-pong. Vous êtes tous les deux invités. Je pose les questions. Il faut répondre. Voilà, c'est ce que je voudrais savoir. Il y a une chose qui est là. Je suis littéralement d'accord pour qu'il y ait la transparence soit de mise, qu'on puisse publier, qu'on puisse officialiser tout ce qui entre dans la caisse des Grand Cœur. Ça, je l'ai dit. Parce que tout ce que nous dirons va nous poursuivre. Demain, tout à fait, ou après-demain. Tout ce que nous dirons va s'inscrire dans nos actifs ou passifs. Mm. Les hommes passent, mais les institutions de l'État restent. Reste. Et qu'il faille faire très attention sur ce que nous disons, parce que ça va nous rattraper un jour. Mm. Je ne suis pas contre la Fondation Grand Cœur, mais comme un ancien a exprimé son souhait, qu'il y ait un équilibre au sein de cette institution, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait aussi, parce qu'il ne faut pas dérouter cette Fondation de Grand Cœur de ses objectifs primaires. Mm. Et moi, je suis d'accord. Pour ça, le cri d'alarme qu'il faut lancer en tant que citoyen, c'est qu'il faudrait que la Fondation Grand Cœur revienne au même sentiment
On dit la même chose. Réponds, mais je ne comprends pas. Vous voulez que je sois en guerre avec vous? Non. Il faut répondre et pourquoi on puisse donner. Et donc, moi, j'ai dit, oui. Mais il faut cesser inéluctablement de pouvoir attaquer la personne de madame. Mais c'est vrai que s'il y a des voix qui s'élèvent, quelque part, les choses ne marchent pas. Il faudrait qu'elle revienne au même sentiment pour qu'on puisse réformer cette grande fondation-là, pour que les Tchadiens puissent se reconnaître. Dernière prise de parole, on va commencer par Ahmad Haroun Larry. Dès que Ahmad finit, il va permettre, je remercie Ahmad pour ça, c'est notre consultant permanent, il va permettre à Moussa Kach de venir également. Allons-y, dernier, voilà. Enfin, c'est la dernière prise de parole. Pour qu'on puisse... en réalité, les gens ne lisent pas. Il y a les politiques nationales de développement qui est là, les PND. Chaque année, on fait les bilans de l'année passée. Si vous lisez, il y a toutes les politiques nationales de développement. Et la Fondation Grand Cœur s'inscrit dans cette politique nationale pour travailler sur le plan social et surtout au nom de Ahmad Haroun Larry, nos téléspectateurs, ils voudraient que la Fondation Grand Cœur se détache des autres et clarifie leur position par rapport au nombre de financements qu'ils ont chaque année. C'est ce qui se dégage là devant moi. C'est-à-dire Pour demander les bilans financiers, il faut être membre de l'organisation. Ouais. Moussa, avec Dynamique Citoyenne, c'est leurs membres qui ont le droit de le demander. En tant que membre, à l'Assemblée générale, il demande. En tant que votre membre du parti, il va demander le financement du parti en tant que membre. Moi, si je ne fais pas partie de cette organisation, je n'ai pas le droit de demander. Mais j'ai le droit de demander au ministère d'Action sociale. Vous avez eu combien le budget de cette année? Vous avez tel milliard. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est une obligation en tant que citoyen. Et c'est mon droit. Et en tant qu'une organisation privée. Et les citoyens tchadiens n'ont pas le droit de demander à la Fondation Grand Cœur. Sur quelle base, si tu ne fais pas partie de la Fondation? Si, par exemple, en vous tout avez cas, souligné... je le souligne de suite, la secrétaire générale, je crois que nous avons suivi ensemble cet élément, dit que dorénavant, la clarté et la limpidité dans la gestion financière de la Fondation sera désormais à l'ordre parmi du jour. Tous nos elle a dit non, cela. Oui, ouais. Tous les partenaires internationaux, ils nous demandent, en tant qu'organisation de la société civile, de créer nos sites internet, de mettre tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on fait sur le site internet. C'est pourquoi certaines organisations, mais la Grand Cœur aussi, sur le site internet de Grand Cœur est là. L'organigramme, tout est là. Et maintenant, ce qu'elle a dit, il y a les conventions, comme est-ce le site de la Est-ce qu'il y a tout sur le site? Non, maintenant, elle a dit qu'elles vont mettre. Donc, les autres organisations, ça, elles vont mettre, mais ce n'est pas tout. Les anonymes, on ne met jamais. Y compris à l'ONU, on ne met pas. Les citoyens, l'ambiance. Ahmad Haroun Larry, merci beaucoup. Le temps de donner la place Moussa Mahamad Madi, s'il vous plaît, une minute. Ahmad Haroun Larry, merci beaucoup, consultant de cette émission. Merci de permettre à Moussa Kach de s'asseoir et de pouvoir également clôturer l'émission. Issa Hyssen, Alkali, oui. Oui, les problèmes des citoyens c'est lambda. C'est votre dernier mot et nous sommes en train de sortir de l'émission. Voilà. Oui. Et puis, l'inquiétude et la question qui se posait par les citoyens lambda, c'est la convention entre la Fondation Grand Cœur et les institutions de la République du Tchad. Les gens cherchent d'éclaircir quelle est la convention. La convention, comment a été faite? Et les conventions, ils ont signé avec la Fondation. Ils ont signé avec la Fondation Grand Cœur. Baisse-toi. Ils ont signé la convention avec le Grand Cœur. Il faut que doit être clair, noir sur blanc. Ça, on a dit. On a dit ça mille fois. Et la population tchadienne a le droit de se demander à la Fondation Grand Cœur de faire éclaircir la convention entre la Fondation Grand Cœur et les institutions de la République. Parce que c'est leur argent du contribuable. Par raison pour laquelle c'est leur argent. L'argent du contribuable tchadien. Et quand la convention Grand Cœur qui signe une convention avec une institution de la République doit être présentée à la population tchadienne, qu'elle soit claire par les ministères intéressés, par les institutions. Parce que la population, ils ont droit, ils ont l'obligation de se demander aux institutions aussi à la Fondation Grand Cœur. Merci beaucoup à Issa Hyssen Alkali, président du PPL, Parti Populaire pour la Liberté. Merci beaucoup. Avant que Dida Mahamad Adoum, enseignant-chercheur, ne puisse prendre la parole, voici ce que dit Issa Amadiko. Chers téléspectateurs, vous allez vraiment nous excuser. On ne peut pas tout lire. Nous sommes obligés de sélectionner. Merci à Moussa Kach qui a déjà pris place. La transparence, il s'appelle Issa Amadiko. Il dit ceci. Il a dit ça trois fois. Sans la transparence, pour la quatrième fois, comment voulez-vous qu'on s'allie à votre politique? Ce sont les préoccupations de Issa Amadiko. Merci de nous accorder du crédit. Vous pouvez participer sur les réseaux sociaux via Facebook. Vous êtes sur Tchad 24. Dida Mahamad Adoum, je crois que c'est votre dernier mot. Ce téléspectateur a parfaitement raison.
puisque la conclusion du débat, c'était d'avoir une transparence au niveau de la gestion. Puisque aujourd'hui, quand on te met devant un fait accompli, ou bien quand on te met devant la scène, on te confie un budget, ce qu'on te demande, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais et d'où vient ton argent? C'est la lisibilité. Ça, c'est une question naturelle du budget. Okay. Même si je te donne à construire, je ne sais plus trop, une villa, ce que les autres vont savoir, veulent savoir, c'est que où est-ce que tu trouves l'argent? Qu'est-ce que tu fais? C'est la question. C'est simplement ce que la population demande. Mm. La population n'a pas jeté des pierres à la première dame. La population n'a pas jeté des pierres à la Fondation Grand Cœur. D'après tout. Mais c'est l'impression qu'on a eue sur les réseaux sociaux. Non, mais écoutez, c'est une impression. Oui. Vous avez dit impression. Mais c'est donc, une réalité. Écoutez, gardez loin votre esprit du fait que. De lucidité. Oui, justement, le fait de dire que non, ils ont jeté de la pierre sur la grande dame, ils ont jeté de la pierre sur la fondation. Dida Mamadou, si je vous fais lire, écoutez, c'est pratique. Ouais. L'aide publique, Mobutu, c'est ce que Kukungena Wazabanga nous dit quoi. Il nous dit l'aide doit être discrète, une aide doit être discrète et doit tenir compte de la dignité du receveur. Merci beaucoup, monsieur l'enseignant-chercheur. Vous venez de citer un Africain depuis qu'on vous invite sur ce plateau. Merci. Une aide doit être discrète et doit tenir compte de la dignité du receveur. Lorsque vous aidez quelqu'un dans la matinée et le soir, vous montrez son image, vous montrez ce qu'il vous lui avait donné, vous montrez ses enfants, je crois qu'à ce niveau, il y a un problème. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Moussa Mahamad Madi, je vous rappelle qu'il est président de la Dynamique Citoyenne, membre de la société civile. C'est Moussa Kash qui va conclure l'émission. Il aura beaucoup à dire puisqu'il était un peu off pendant un certain temps. Bakay Ozili Angata précise ceci. Si la population réclame la transparence sur les fonds destinés à la fondation, c'est parce qu'elle est l'épouse du président. Si on n'a rien à se reprocher, pourquoi se cacherait-on? Voilà, oui, à peu près, si j'arrive à lire entre les lignes. Je voudrais saisir l'opportunité, une fois de plus, de remercier cette chaîne qui a eu le courage d'exposer ces débats si sensibles et qui suscite autant d'intérêt, à mon sens. À cet effet, je suis complètement d'accord. En tant qu'un républicain, il faut mettre les intérêts du Tchad avant toute chose. Nous sommes tous des Tchadiens et nous avons besoin de rendre compte à qui que ce soit. La gestion publique pourrait se justifier à travers des comptes rendus ou bien à pouvoir justifier au mot tout ce qui a été mis à sa disposition. Nous sommes arrivés à une phase où d'aucuns pensent qu'il y ait une urgence de pouvoir jouer à la transparence. Moi, je pense que le Tchad, qui est un État, a souscrit totalement au principe onusien de la transparence, que ce soit dans les secteurs miniers, que ce soit dans les secteurs des finances publiques. Je parle en tant qu'un inspecteur des impôts et un juriste. Et pour revenir, je dis aujourd'hui que les réclamations ou les observations qui ont été dans le sens de pouvoir demander la justification à la Fondation Grand Cœur me semblent être très légitimes. C'est logique aujourd'hui qu'on ne pourrait pas gérer de l'argent du contribuable sans qu'il y ait la transparence. Mais je déplore le fait qu'il y ait la caricature. Les gens ont tendance à caricaturer la personne de Mme Ndadebi. Et confondent même la personne à la fondation. Demander la transparence, vous n'avez pas besoin de vociférer des invectives. Et donc moi je pense que, non loin de moi de pouvoir donner des leçons de morale, j'en appelle au sens de la responsabilité de tous les Tchadiens. Et je lance un appel aux responsables de la Fondation Grand Cœur de jouer à la transparence pour que les esprits qui s'apaisent. Merci beaucoup à Moussa Mahamad Madi. Moussa Kash, on va finir par ta présence. Nous nous excusons. Hein. Bon, Dieu merci. Tu es là, installé, juriste dans les relations au niveau international, actif sur les réseaux sociaux. Il a fait les études au Sénégal. Moussa Kash, dernier mot, nous sortons de l'émission par rapport à ces invectives sur les réseaux sociaux de la Fondation Grand Cœur. Merci beaucoup, une fois de plus, de retour au plateau. Et j'étais saisi par le débat des uns et des autres et les raisons qui ont été avancées sur le bilan de la Fondation Grand Cœur. Je ne suis pas là en qualité d'un analyste ou un spécialiste des relations internationales pour relater les faits et les actions qui ont été menées par la
Fondation Grand Cœur, mais je suis là pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. En tant que citoyen. En tant que citoyen. Tout à fait. Donc, Monsieur Moubarak, aujourd'hui, le comportement de certaines de nos compatriotes sur les réseaux sociaux et le comportement de certains acteurs politiques commence à nous inquiéter. Particulièrement moi et les Tchadiens particulièrement, en général. Parce qu'il y a des raisons gardées. J'ai dit tout de suite que la perfection n'est pas de ce monde. Une organisation critiquée, mais ce qui est sûr, quand vous êtes une organisation, à l'intérieur de cette organisation, il y a ce qu'on appelle une réalité. Cette réalité est menée par des hommes. Et c'est à partir de ces hommes qu'on juge l'effectivité et la mission effective d'une fondation. Et nous sommes là aujourd'hui ici, en train de dire, voilà la Fondation Grand Cœur a mené des actions qui sont réelles, palpables sur le terrain. Aujourd'hui, demander aux citoyens lambda, qui sont au plus fond, qui n'ont pas bénéficié des avantages de la première, comment on appelle, de la Fondation Grand Cœur. Moi, je peux dire que non. Donc, dans ces cas, je peux dire que ceux qui critiquent la Fondation Grand Cœur, ils ont leurs raisons. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie est inhérente aux critiques. Je dis et je le répète. Mais Moussa Kasso, on a l'impression qu'il y a même des critiques stériles, des critiques qui ne peuvent pas exister. Oui, les critiques stériles sont là. Mais ce qu'il faut comprendre, monsieur Moubarak, la fondation. Moussa Mamad m'a dit que la démocratie n'est pas dans la rue. Il y a des principes. Il y a des principes. Mais oui, les principes. Moussa Kasso, la parole. Il y a des principes. Il y a des principes. La démocratie, c'est quoi? C'est pas la démocratie, c'est pas. Le libertinage. De porter atteinte à l'intégrité physique ou à l'image de tout. C'est pas cette démocratie que nous sommes en train de chercher. Tout à fait. Je reviens, s'il vous plaît. Je suis là dans une dynamique. Moussa Kasso. Dynamique de Mamad m'a dit Moussa. Laissons Moussa Kasso conclure. Donc, ceux qui ne connaissent pas la réalité et l'organisation, le fonctionnement d'une fondation, peuvent les critiquer. La Fondation Grand Cœur est une réalité vécue qu'une circonstance de fait politique. Ce qu'il faut comprendre. Pour comprendre le Grand Cœur, il faut aller au fond pour voir les actions qui ont été faites. On juge une personne à partir de ses actions. La Première Dame n'est qu'une représentante. Représentant du Grand Cœur, il faut juger les actions qui ont été menées par la Fondation Grand Cœur. Et dites, voilà, la Fondation Grand Cœur et ceci et là. N'y a-t-il pas des gens ne cherchez pas des prétextes de cette grande fondation-là qui ne devrait pas peut-être être imposée. Non. Est-ce qu'il y a... Non, oui, il y a des gens qui font cette balance. En matière de ressources humaines, oui, il y a des gens qui font cette balance-là. Oui. Tu sais très bien que nous sommes dans un pays où les critiques sont beaucoup plus inhérentes à la démocratie. Nous, on comprend ça. Oui. Mais il y a certains gens qui sont là qui disent que oui, la Fondation Grand Cœur est bon. Et d'autres qui disent non. Ça, c'est leur affaire. Mm. Mais nous sommes, chacun a son droit de garde dans cette nation. Notre position, c'est quoi? C'est que notre position, c'est quoi? Moussa Mamad m'a dit, ne voudrait pas que je gère cette émission jusqu'à la fin. Moussa Kasso. Non, laissez-le finir. Il fait sa proposition, non? Il faut laisser. Il fait sa proposition. Moussa Kasso. Moussa Kasso. Moussa Kasso, s'il te plaît. Allons-y. Vas-y. Donne ta proposition. Moussa Kasso. Je risque de conclure l'émission. Allons-y, Moussa Kasso. Voilà. Soyez à la hauteur du débat. Et c'est comme ça qu'on va vous. Moussa Mamad. Ma position, c'est quoi? En tant que jeune, je juge de ce qui est effectif. C'est-à-dire. Les actions qui ont été menées par la Fondation Grand Cœur sont visibles. Les positifs. Sont visibles. Je ne parle pas de positifs. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir, n'est-ce pas, de savoir que vous êtes à l'écoute de cette émission. Nous vous remercions grandement par rapport à votre présence. J'allais même dire à votre prestance à nous suivre. Merci pour votre contribution multiple sur les réseaux sociaux. Ce fut un réel plaisir dans le cadre de Polemos réalisé par Marie sur Chat 24 que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux Facebook et bien entendu sur le bouquet Ilnet. Nous allons revenir dans le cadre d'autres émissions, notamment Panafritude et Zapresse pour celles et ceux qui sont premiers chefs intéressés par les festivités qui dans le confinement et dans le couvre-feu se prépare. Nous vous souhaitons de le prendre ainsi et de savoir que
n'est-ce pas, ce sont des décisions nécessaires par rapport à notre sécurité sanitaire. Beaucoup de téléspectateurs, beaucoup sur les réseaux sociaux s'inquiètent en nous parlant de distanciation. Nous le respectons, mais en matière de canon de communication, regardez les médias au niveau, que ce soit aux États-Unis ou en France, sur les plateaux, ces mesures-là risquent tout simplement nous empêcher de nous faire comprendre par vous à la maison. Nous avons nos masques et nous prions la miséricorde du Tout-Puissant en espérant que, de Marie à son assistant, en passant par Ousmane Abdelmoumine et les autres, nous sommes tous ici en santé et nous sommes sûrs que la miséricorde du Tout-Puissant, cela dépend de vos croyances, ils vont veiller sur nous et permettre que nous soyons tous en santé, si Dieu voulant. Merci à Issa Hissein Alkali, c'est le président du PPL. Merci à Amat Haroun Larry, merci vraiment pour sa gentillesse et sa compréhension. Écrivain, consultant, membre de la société civile, c'est notre consultant permanent. Merci à Dida Mahamat Adoum, enseignant-chercheur. À Moussa Mahamat Madi, qui de temps en temps se positionnait carrément comme co-présentateur de l'émission. Il est président de Dynamique Citoyen et membre de la société civile. Merci enfin à Moussa Kache, juriste relations internationales, et il est également actif sur les réseaux sociaux. La Fondation Grand Cœur, nous espérons que nous avons crevé l'abcès et nous sommes libres pour d'autres débats. Nous vous remercions sincèrement et que la miséricorde du Tout-Puissant veille sur nous, sur notre pays, sur l'Afrique et sur le monde. Bien le bonsoir.